les amis. On y est. Je t'ai pas vu ce week-end. Mais ouais, Tristan, en plus, j'ai demandé à Corentin et Kevin où t'étais et je t'ai pas vu. Bon, c'est bon, on y est. Je vais pas vous mentir que j'ai pas retouché au jeu depuis que c'est la full version. Donc je crois qu'il faut que je paramètre mon volant d'ailleurs. Oh. Alors attendez les musiques. attendez. Parce que ça je reconnais. Ouais, ça c'est bien de la musique copyright. Hop. Ça c'est bien de la musique copyright. Bougez pas. On va juste changer ça tout de suite. Paramètres audio. Alors, il y a pas un... Normalement il y a un filtre comme ça, genre streamer. Multijoueur, piste audio, complète, musique. Voilà, bande son. Thème, merci. Et là, ok, voilà. Là, au moins, je peux parler, tranquille. On va voir si tu l'achètes ou pas. Ah, on va voir si on l'achète ou pas. Moi, je vous le dis, je suis honnête. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si le jeu pue la merde, j'hésiterai pas à le dire. Hein. On va baisser les musiques. Votre voiture à 7, voilà. Voilà. Venez pas me dire que je suis un vendu par EA. Merci EA de m'avoir donné le code. Mais EA, je vous le dis tout de suite, si votre jeu pue la merde, il faut le dire, faut être honnête ici. Donc on n'hésitera pas à dire ce qu'on pense. On va faire une carrière. Mais du coup, vous avez suivi ou pas vous avez suivi les nouveautés un peu ou pas? Est-ce que vous avez vu un petit peu ce qui change en mode carrière? Spoiler, le jeu pue la merde. Bah j'attends de voir parce que moi j'ai deux sons de cloche. Donc c'est pour ça. Pas du tout, vite fait, non, oui. La question c'est qui c'est qu'on prend? Est-ce qu'on commence en F2 ou on part en F1? Parce qu'on s'était posé la question, voilà, on va pas vous mentir, avec l'équipe, on était en mode est-ce qu'on fait pas une petite carrière Victor Martens? Voilà, je vous vois venir déjà dans le chat. Est-ce qu'on fait pas une petite carrière Victor Martens? Ça pourrait être stylé. Le truc, c'est que faut trouver une équipe. Je sais que Robin, il roule chez Alpine déjà aussi. Donc, faut trouver une équipe pour se faire plaisir, tu vois. J'ai pas envie d'aller chez Mercedes, Ferrari ou Red Bull parce que c'est trop facile. J'ai pas non plus envie de rouler chez Alpine parce que c'est trop nul. Enfin, tu vois, j'hésite. Donc, tu vas salir son image. Bon, si je marque plus de points que lui cette saison, ça devrait aller quand même. Fais voir, attends, les voitures, saison complète ou saison personnalisée? Il y a quoi en saison personnalisée? 14, 8, 3 courses. Oh ouais, je vais pas faire 14 courses de... on va pas faire 14 courses de F2 non plus, faut doser. Hein. Parce que là, si on part sur 14 courses de F2, on y passe une semaine, hein. On en fait 3 histoire 2, histoire d'être gentil, quoi. Genre, 14 x 2. Oui, c'est pour ça, c'est parce qu'elle est sprint, donc c'est relou, quoi. Comment ça, 3 courses? Bah ouais, en vrai, 3 courses, non? 8, c'est bien, mais 8, c'est long, les gars. Hein. Vous savez qu'il y a 2 courses en F2. Il y a des sprints, hein. Donc, fait direct, la F1, c'est pour en faire 3. C'est pas faux, j'avoue. J'avoue, en vrai, est-ce qu'on a réellement intérêt à faire de la F2? Allez, 3. On part sur 3, ça part. Paramètres personnalisés. Découvrez une toute nouvelle expérience de carrière professionnelle en tant que pilote. Tu peux pas passer? Non mais elle va pas prendre le jeu quand même. Alors, paramètres personnalisés, les aides. Hop, aide à la direction, non. Hop, boîte de vitesse, manuel, aide au stand, non, ok. Ensuite, difficulté. C'est quoi la bonne difficulté sur le jeu à votre avis? Bon, il a dit 90, c'était pas mal. 90, 95, c'est pas mal, je pense. Rob, il joue en 100. Je vais mettre 95 en vrai, donc. Je vais mettre un petit peu moins chromium parce que j'ai toujours mon problème de pédalier que j'ai pas réglé. Ah, je peux mettre que la course principale. Oh, ça, c'est stylé en vrai. Je vais mettre principal et sprint. Je sais pas si je mets là une sprint. Vas-y, on va faire 3 et 5 tours, ça ira vite. Ok, approximative. Transfert des pilotes, oui. Condition de passage en F1, intermédiaire. R&D, oui. Défaut, fréquence des pannes, standard. Élevé, allez hop. Standard. Immersif, diffusion, immersif. Sécurité, augmentée. Immersif, tour de formation, oui. Immersif, drapeau rouge, augmenté au cas où il y en a. Retour en arrière limité, surface manuelle standard, simulation de pneus minimum, simulation de collision, oui, ok. Ok, vamos. Il n'y a plus qu'à prier pour que le volant soit paramétré et que fonctionne, ce qui ne devrait sûrement pas être le cas, j'imagine. Oh, quoique, peut-être été
peut-être été bâtard avec le jeu. Ah, il y a un monde où ça fonctionne. Attendez, je fais les trucs classiques déjà pour voir si on n'a pas de soucis. Mais j'ai peut-être été bâtard avec tout ça, en vrai. Didi. Eh, dis-moi. Retour en arrière. DRS, c'est ça. Pit limit, c'est ça. Radio contrôle, c'est ça. Fuck. Celui-là. Non. Attendez. Hop. Alors, AMF, c'est celui-là. Quand je suis vers le haut, ça c'est pour aller à droite, donc le haut c'est lui, bas, attendez, hein, pour deux secondes, droite, appuyez pour parler, dépassement c'est lui, ah, au stand manuel, ok, c'est good. Vamos, on est bon, on est d'accord que les freinages sont horribles. Ah ouais? On peut faire deux années en F2, je pense pas, ça me paraît très bizarre, mais alors attendez, tester les touches, ok. Vous voyez en fait, genre là vous voyez, regardez. Là, vous voyez, je suis à 100 et je suis à la moitié de ma pédale. Genre, vraiment, j'ai... C'est relou, ce pédalier, là, qui bug. C'est chiant, Cui-Cui. Ah, c'est mon... Cui-Cui, c'est mon pédalier. Ok, bon, bah, ça va rester comme ça. Hop. Ça va rester comme ça, ils vont pas me faire chier. Je réglerai ça demain, j'aurai le temps. Pas du tout, j'aurai pas le temps demain. Allez, ça part. Let's go. Confirmer les paramètres. Aïe. Aïe. Alors, qui c'est qu'on a? Denis Auger, Daruvala, Maloney, Fittipaldi, Théo Pourchaire. On aurait pu faire une carrière Théo. Hein. On aurait pu... en vrai, de vrai, on aurait pu faire la carrière que Théo n'aura jamais. Mais... hop là. Ça roule. J'ai vu. Bah, Victor Martins, hein, let's go, hein. Arthur Leclerc. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Arthur du coup aussi. Bierman, Freddy, Vesti, Crawford, Adjar, Iwasa, Arthur. Oh, Arthur, il est bien fait. Doan aussi, pas mal. Candil, Nissani. Oh, Nissani. Nissani. Belavide, Stanek, Novalak, Vershore, Korea, Maini, Bafung. Ah, vas-y, on va faire Victor. Hein. Il est où Victor? Victor Martins. Allez. Wesh! Qu'est-ce que je vois derrière? Oula. Qu'est-ce que je vois derrière? Qu'est-ce que c'est que ce... Frère! J'ai le skin de Théo avec les sponsors de Victor! Il y a le logo Off-Track sur la voiture de Pourchaire! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis pas fou, là! Je vois bien un gros BWT sur l'aileron alors que c'est une Alpha, là! Attendez, ça commence. Oh non, ça commence, c'est terrible! C'est terrible! Non mais attendez, c'est un enfer, là! À un moment, T'es mal bug. Oh, ça commence. C'est une dinguerie quand même. Le premier truc, c'est normal, chef. Arrêtez de vous mentir comme ça. Ah oui, donc... Ah oui, donc le contexte... Ah, le contexte lâche. Ah oui, donc la F2, c'est vraiment juste de la F2, quoi. Histoire de faire la F2. Alors, on va pas faire des 7... Wow! Ok. On va peut-être changer. Wow! Bon, attendez, parce que j'ai pas réglé mon volant, le force feedback, il y a un monde où mon volant s'arrache. Hein. Bon, attendez, parce que là, mon force feedback, il est pas réglé non plus. C'est bon, il y a le logo off-track. Je vérifiais juste qu'il y ait bien le logo. Attendez, on va régler ça tout de suite, là. On va voir, c'est le vrai F1.24 ou c'est une version test? Alors c'est du coup le vrai F1.24, oui c'est vrai parce que du coup il y en a plein qui se posent des questions. Oh le bruit. C'est le vrai F1.24, mais je pense que j'ai le droit de le dire. Et au pire, si je le dis et que je dois pas le dire, c'est pas grave, il y a un patch qui arrive dans les 15 prochains jours pour régler déjà beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'on a le droit de le dire, on nous l'a communiqué, voilà, on nous l'a dit en privé. Donc le patch arrive dans moins de 2 semaines normalement. Oh, les F2, elles faisaient pas ce bruit là, hein, de mémoire. Hein. Les F2, elles faisaient pas ce bruit là. Hein. Si je peux me permettre, on va aller régler ça parce que là. C'est où l'audio? Ah bah là, paramètres audio. Cinématique. Ouais, diffusion. Tu fais que de bloquer. Ouais, c'est. Mais je peux pas les régler, il est cassé. Ah, ok, je vois très bien du coup que ça n'a pas changé. Je réglerai le frein après.
22ème, Martin, c'est pas comme quoi, le jeu est pas si mal, hein. Je rigole avec toi. En fait, on dirait qu'il y a une giga-assistante à la direction, c'est terrible. C'est terrifiant. Ça fait 5 ans que ton pédalier est cassé, jamais tu l'aurais fait. Non mais alors, ça fait 5 ans, mais quel menteur. Comment ça fait 5 ans que mon pédalier est cassé? Il m'a lâché il y a 2 semaines, il m'a lâché avant la compète ACC. C'est juste qu'il faut que je pense qu'il y a un driver à mettre à jour. Et c'est pas comme si les 3 dernières semaines j'étais jamais chez moi. Ok. Bon, un petit last of first. Un petit last of first, t'as pas désactivé les aides. Si, j'ai déjà tout désactivé, vous inquiétez pas, hein. Pourquoi tu corriges tout le temps tes trajets? Alors, on va voir ça au fur et à mesure de la soirée, mais... Je pense... Attendez, on va vérifier, il m'a mis un doute du coup avec les aides. Je pense que c'est dû du coup aux nouvelles physiques, mais... Non, j'ai aucune aide d'activer là. Ouais, dans la direction, non. J'ai rien d'activé sur les aides, donc c'est juste dû au nouveau modèle du jeu, quoi, qui est spécial. Je vais attendre avant de le critiquer, en vrai. Je vais attendre un petit peu avant de lui chier dessus au modèle, parce que bon, on va lui laisser le bénéfice du doute, comme on dit, mais il est spécial. Attendez, ouais, je fais un petit... j'ai une petite caméra, histoire de... C'est où les pédaliers? Hop, là, attendez, on va voir si je peux le régler. C'est quoi qui pourrait me permettre de régler ça? Attendez, dans le frein, il s'agit de l'amplitude du déplacement de la pédale de frein nécessaire avant le déclenchement, donc c'est pas ça. Linéarité, ça pourrait être ça, modifier la différence de sensibilité entre le point de départ et le reste de la course de pédale de frein. Valeur linéarité importante rendra la pression initiale moins sensible. Mais moi, c'est pas ça, en fait. Moi, ce qu'il me faut, c'est genre la zone morte, mais de la fin. Genre, saturation, ajuste le point où la pédale est à son maximum. Ah, augmenter la rend plus sensible. Bah moi, il faut que je la rende moins sensible, donc je peux pas, tu vois. Donc, je peux pas y... Aïe, je peux pas y changer. Je vais voir, attendez. On va faire un test. Ok, je vais faire un test en 2 spi, attendez. T'as pas un logiciel avec. C'est exactement ce que je vais faire. C'est exactement le truc que je vérifie en 2 spi. Je vous mets Toto Wolf qui est en train de travailler, voilà, tranquillement. Pépouze andalouse, comme on dit. On va voir si je peux modifier ça ici. Si ça marche ou pas. Ça se trouve, ça a marché. Hein. Ça se trouve, je vais être bien. Oh, je suis bien. Bon, il s'est passé comment votre week-end, du coup, vous? On arrive. Comment il s'est passé votre week-end? Parce que depuis tout à l'heure, je parle de mon week-end, etc. Mais le vôtre. Ah, bah déjà, ça commence mal. Vérifiez qu'il est bien raccordé. Bah oui, il est bien raccordé. Ah, bah, nickel. Contrôleur de jeu ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire d'effectuer un effet d'ajouter le paramètre pour l'étalonner. Bah oui, mais... Je veux justement tester. Ah bah nickel. Bah faut croire que je ne peux pas... Bah c'est cool en vrai, hein. C'est cool, pas mal, ouais. Ah, fracture du péroné. Rip, on travaille. Ok, à l'image de Toto. T'as mal branché le pédalier. Non, c'est pas ça, je pense que c'est le... Il y a un driver ou une connerie comme ça à mettre, et du coup, genre... pédale. Bah, je suis bien dessus, la pédale. Pourquoi ça marche pas? Ok, là-dessus, la lime, elle est bonne. Bizarre! Je pense que c'est le driver qui est fucked up. Je vais devoir réinstaller et désinstaller cette nuit. Oh là 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 là, quel enfer. Quel enfer. J'ai failli m'endormir devant le GP. Vous voulez une anecdote? Vous voulez une anecdote très drôle? Il y a peut-être un monde où je me suis endormi à un moment pendant le GP, mais ça, ce n'est qu'un détail. Ça, ce n'est honnêtement qu'un détail. Hop! Ah bah nickel. Ah, c'est bon. Nice. Il y a peut-être un monde où à un moment j'étais posé sur la barrière, j'étais en mode... Comme ça. Mais... Tranquille, les riens. Alors, les riens. Tu dors pas la nuit aussi. Wesh! Moins 1200 de rythme! Oh Victor, je sens que je vais pas te faire du bien à ta note là. Putain, maintenant en plus faut performer à cause des notes. c'est dur. Ok, bon on va speedrun les F2 par contre, moi je vous le dis. Martin s'y va en Formule 1, rien de plus. Hein. T'es invité sur place et tu t'endors. Alors, vous savez que quand vous êtes sur place, pour voir une course, vraiment, c'est que tu n'as aucune information. Tu n'as pas les tours, tu n'as pas les radios, tu ne vois pas les gaps, tu ne vois pas les pneus.
Vraiment, genre, tu ne vois rien du tout. Donc, c'est compliqué de suivre, hein. C'est compliqué de rester à l'affût et de l'affût et rester au courant de tout ce qui se passe, tu vois. C'était pas notre objectif. Vois si tu peux remonter quelques. Oui, ça va. Tu peux débrayer, attends jusqu'au départ. Ah oui, donc là vraiment c'est qu'on est sur un tuto quoi. Oh, ça fait du bruit. Ça fait du bruit quand même ce bruit là, ce jeu là. Hop là, sur les écrans c'est écrit. T'as juste le classement sur les écrans. Bon, les départs c'est pas notre fort, hein, chart. Ah, par contre du coup j'ai perdu le force feedback en redémarrant le volant. Plus de force feedback, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Au pire je vais mettre l'ABS pour ce soir, juste histoire de. Allez reviens le force feedback. C'est bon, le son de jeu il est super fort là. Son jeu, il a l'air super fort, non? Nistani, je l'avais oublié. Ah ouais, non, là, c'est la saison dernière en F2, donc... Ah, je vais mettre l'ABS. Paramètres, aide, je vais juste mettre l'ABS pour ce soir. Comme ça, on bloquera pas en F2 au moins. Et le tour de formation, c'est bien mignon, mais vas-y, let's go. Ok, ça part. Vamos. S'il y a des frises, vous me dites, hein. Ok. Ok, on est pas mal. Alors là, croyez-moi qu'on y va. Hein. Allez, Arthur. Wesh, j'existe. C'est parce que... Mais en fait, il y avait un message. Il y avait un message, j'avais marqué retourner en arrière. Du coup... Non, mais ça va. Mais je vais péter mon crâne, mais attendez, mais oh! On peut rouler ou... Attendez. Cette fois, déjà, je ne prendrai pas de coup de roue. Ouh! C'est pas moi qui l'a pris. Voilà, merci quand même, putain! Tranquille, le premier d'une longue série, le premier flashback. On va pas les compter, hein, écoutez-moi bien. Hein. J'ai peur... Oh, à l'inté... J'ai peur du coup de mettre le pied sur l'axe. Mais wesh! À 2 minutes un peu là, le. Ouh! À l'aise, Blaise! Vous jouez en combien? C'est... Qui a le jeu là dans le chat du coup? Qui a le jeu dans le chat pour voir un petit peu les difficultés là? Que je sache en combien vous jouez à peu près? Zéro grip, c'est terrible. 80, 90, 93, 92, 105. Pas moi. Faut que j'arrête de conduire ça comme si c'était une F1 en fait. Ok. Ah, P17, c'est réaliste en vrai, je trouve. L'aide au freinage, pas l'ABS. Ouais, je sais bien. Non, je sais bien que j'ai mis l'aide au freinage pour pas bloquer les roues, mais. Juste, c'est sensible les F2 là. Après, j'ai juste pas de force feedback. J'espère qu'il va se remettre tout seul sur la deuxième course. Bon, je suis devant Doan au moins. J'espère juste qu'il va se remettre tout seul. Tu relances le I. Tranquille les gars, un peu de réalisme. Cette physique elle est pas ouf. Bah après c'est la F2, je sais même pas si... Je sais même pas s'ils ont retravé la physique de la F2 ou pas. Oh, tu vas me laisser passer Coco. Ça va frère. Ça va, à l'aise. Bon alors déjà, une chose est sûre, sur ce jeu, vous pouvez grimper sur les vibreurs. Vous pouvez vraiment, mais alors, grimper sur les vibreurs d'une force incroyable. Hop là. Bizarre.
bizarre. Le jeu freine à ta place. Ah, attends, j'ai pas mis la bonne aide. Merde. Depuis tout à l'heure, je lis pas le chat, my bad. Excuse-nous, con. C'est la voiture. Ouf. Attendez. ABS. Oui, t'as pas mis la bonne. Ah, merde. Attendez, on finit Bahrain et je relance le jeu de toute façon. Temps d'en trouver le force feedback. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai pas de force feedback, mais la voiture elle a l'air de glisser de ouf. De toute façon les gars, bon, je vous le dis au pire, bon, au moins vous le saurez comme ça, mais la physique va pas rester comme ça. Hein. La physique actuelle va changer, hein, donc la physique elle a changé. La physique va changer. Et ça va être corrigé. Après, il y en a qui aiment bien, il y en a qui ont dit que c'était pas mal en vrai. Donc, vous aimez vraiment la physique du jeu? C'est une vraie question, hein. Encore heureux. Mais tu sais qu'il y en a qui kiffent, hein. Il y en a qui sont en mode, bah en vrai, chill, tu vois. C'est vraiment bien, tu vois. Moi, j'ai juste hâte de voir les IA en F1. Moi, j'aime bien, non, ouais, belle bouse. Là c'est pas mal. Ok. C'est pas les nouvelles F2. Non non, ça c'est les anciennes F2. Ça c'est. Par contre ça c'est toujours pareil. Hein. Ça a pas changé en soi. C'est à la sortie du jeu. T'as les F2 de l'année dernière et au mois de octobre je dirais, novembre, enfin en fin d'année quoi. Ils te mettent les nouvelles F2. Ça c'est toujours pareil. Faut pas aimer le sport auto pour aimer cette physique. Après ça dépend, vous jouez manette ou volant. Ouais, les 0 force feedback c'est horrible. Hein. Après 1h30 de gameplay ça me dérange pas. Ok, je trouve que t'as l'impression de jouer à la manette même en étant au volant, je sais pas si c'est clair. Ouais, moi je vois un petit peu ce que vous voulez. Un peu ce que vous voulez dire. L'input en fait du volant est beaucoup trop important, genre. Je crois que j'avais une casse moteur, j'allais hurler. Hein. L'input est beaucoup trop important. Et du coup, genre un tout petit peu, tu tournes et ta voiture, elle met un grand coup de volant, genre. La physique a l'air trop bizarre. Hein. C'est trop arcade. Le nombre de manettes. Ah non, mais il y en a beaucoup, hein. Victoire d'Isaac Adjar. Vous voyez que le jeu est pas si mal. Putain, mec. Martins 18, Adjar premier. Super. Bah, nickel, la vibe. Passe en F1 direct. Attendez, je vais surtout relancer mon jeu. Histoire de plus avoir de bugs. Je vais relancer mon jeu. P18. Bon. Il y a un monde où on va peut-être pas aller en F1 du coup. Il y a un monde où avec les nouveaux contrats, avec cette pilote du jour. Bizarre. Bizarre le pilote du jour là en partant dernier. Pas sûr. Hein. Pas sûr en vrai de vrai là. Hein. Tu penses qu'ils vont faire la mage avec la nouvelle physique quand? Dans 2 semaines je pense. Je pense qu'ils vont la sortir en pas du day one entre guillemets. Vainqueur. Ok. Je peux retourner au menu ou pas? Ah bah voilà, vous voyez, expérience, plus 800, motivation, moins 400. Bizarre là, ce qui se passe pour l'instant là. Titi-titi-lim. En même temps, vu le prix du setup, volant normal, qu'il y a que des joueurs manettes. Oh, il y a des... Tu sais qu'il y a des setups qui coûtent pas si cher, entre guillemets. Hein. Et les setups, tu peux t'en sortir avec quelques centaines d'euros, ça va, entre guillemets. Comparé à d'autres, est-ce que le jeu vaut son prix? Honnêtement, j'ai pas assez joué pour l'instant. J'ai même pas fait le tour de tous les modes de jeu, j'ai pas encore testé le mode 40 F1, j'ai pas fait d'open lobby. À la fin de la semaine, si vous voulez, on sort une vidéo genre est-ce que F1 24 vaut son prix? Oui, mais là, too soon. La physique va changer dans 2 semaines. Peut-être, c'est peut-être que oui, peut-être que non. On entend les oiseaux crier, mais laisse-les vivre un peu toi, il t'arrive quoi là? C'est fou ça, le nouveau streamer, ça y est, il est streamer, il prend le melon lui. Incroyable ça le danseur là. Hop. Tu veux pas skip la F2, on s'emmerde. Vous voulez skip la F2 ou pas? Moi ça me dérange pas. Hein. Moi honnêtement ça me dérange pas de skip la F2. Hein. On part direct en Formule 1. Hassoul. Non, oui. Si on vient de commencer la carrière. Go skip la F2. Non, oui, non, en vrai je sais pas. Vas-y, on s'en fout de la F2. Ok, bon, vous pouvez faire la F2, je pense que vous avez tous compris. Next. Carrière pilote. Mais personne va faire du My Team cette année en vrai. Ah bah je suis trop con putain, j'ai voulu skip la F2 mais... J'ai pas skip, j'ai repris la F2. Hop là, vamos.
Hein? Non, mais je vais pas refaire Bahreïn. Mais quoi? Oh, mais me dites pas que j'ai la course longue là maintenant. Est-ce que j'ai retrouvé mon force feedback ou pas? Oh oui, j'ai retrouvé le force feedback, c'est bon. Attendez, hop, retour menu principal. All good. Alors, la question que je me pose, le chat, c'est chez qui on va aller? Chez qui on va aller? Parce que là maintenant, si on lance une carrière là maintenant. Tu vas gagner des améliorations en cours de route. Tu pourras enrichir quand tu seras d'attaque. Passe à l'écran. Oui, je suis d'attaque, allez, hop. Carrière. Là, si on se lance, chez qui on va? Parce qu'en fait, c'est ça la spécialité cette année de FR24, c'est que tu peux prendre le pilote que tu veux et le mettre dans l'écurie que tu veux. Donc, on peut faire Hamilton chez Ferrari, on peut faire Bierman chez Haas, on peut faire O'Sullivan chez Williams, on peut faire qui vous voulez, de partout. Donc, so, I don't know. 90, ça avait l'air fort la F2 quand même. Je vais mettre des 35% ce soir pour commencer. Ça va peut-être un monde, on en fait 3, je sais pas, on verra. Qualif courte. Parfaite. Juste on teste là. J'ai mis deux freinages en intermédiaire. Gasly chez Red Bull. Non, en vrai, je voulais pas faire une top team pour chercher Kick. Visa Cash App avec Adjar. Non, Ferrari, c'est mort les gars, on fait pas une top team. Je fais pas le top 5 constructeur déjà. Je fais pas le top 5 constructeur, c'est hors de question. Donc si vous voulez qu'on fasse une carrière avec un pilote qui existe déjà, il me faut soit un rookie, soit une équipe du fond de la grille. Sinon ça marche pas. Piastri avec Alpine. Oh, c'est drôle en vrai. Pour chercher Sauber. Yuki chez Alpine. Williams avec Sargent. Après on peut faire Williams avec Sargent en vrai de vrai. Antonelli chez Williams. Y a pas Antonelli, les gars, il est trop jeune. En vrai, on peut faire Sargent, hein. Sargent chez Williams, hein. Ocon chez Haas. Martin chez Alpine. Williams, c'est bien. Williams, c'est bien, mais du coup, on garde. Confirmer les paramètres. Attendez, parce que je sais pas comment ça marche. Bonjour. Non, mais bonjour, ça va, j'ai compris qui t'étais. F2, icône. Oh, James Hunt. Oh là là, la tête de James Hunt. Juan Pablo Montoya, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen, Button, Felipe Massa, Mark Webber, Nigel Mansell, Kamui Kobayashi, Pastor Maldonado, Jamie Chadwick, Brandon Led, David Tonizza, Yano Mia et Lucas Blakely. Ok, ça c'est les icônes. F2, bon, on a la grille de l'année dernière, du coup, et en F1. Après, en vrai... Non, je sais pas. J'essaye de trouver un combo, mais... J'essaye de trouver un combo. Non, Prost, il a été retiré du jeu. Il n'y a pas Rosberg non plus. Après, on peut faire un truc, genre on met Victor et on le met pas chez Alpine. Hein. On va bosser main dans la main. Alors, ça donne quoi? On va bosser main dans la main. Oh là là, elle va nous saouler, elle. Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston, Williams, Kick, Alpine, Visa Cash App, Haas. Sur cet écran s'affichent des informations sur... Oui, on a compris. Carlos chez Williams. Oh, j'avoue, parce que... Attendez, c'est compliqué, la renommée. Martins, 32%, Verstappen, 68%. Donc, les avantages, première amélioration secrète en R&D, deux améliorations simultanées. Ok. J'hésite. Bottas Williams. Oh, c'est vendu. Oh, j'aime bien ce que tu me proposes. C'est vendu. Il est où? Oh, oui. En vrai, c'est très drôle. Attendez. Ok. Comment je... Non. Je vais pas prendre Sauber. Attendez, comment on fait? Bottas. Ah, je peux pas changer, je suis obligé de... Oh, mais non, attendez, mais comment on fait? Tu peux pas. Oh non! Ah, oh, mais j'ai pas envie de rouler avec cette voiture de merde! Oh non, pas de ça ici, mon coco, hein. Je peux pas rouler avec cette merde verte, hein. Avec tout le respect, mais on va envoyer Martins chez Williams.
Ouais, si, Martin chez Williams, en vrai. Allez. James Valve, en vrai. Prends Victor Bierman. Pour chercher Williams. En vrai, Bierman chez As. Frère. Mais attends, j'essaie de réfléchir. Visa Cash App, Adjar, Yuki, Alpine. Non, flemme Alpine. Pourquoi Vettel n'est pas dans le jeu? Il n'y a pas tous les pilotes, les gars. Il n'y en a qu'une petite sélection. Hein. Je te contredis avant le live. Ouais, j'essaie de réfléchir. Bierman chez As, tous les jours. Allez, allez, ça fera plaisir à Lucas en plus. Bierman chez As. Oh la gueule. Ok. Okay. Dis-moi. Qui aimerais-tu avoir comme coéquipier? Pourquoi elle chuchote? Les deux pilotes actuels et parcours. Bon, en vrai, à choisir, je préfère être avec Hülkenberg. Hülkenberg, plus d'expérience, plus d'aptitude, plus de réaction. Un peu moins de rythme. Meilleure motivation. Hülkenberg. Nico Hülkenberg. Ok. Vas-y, let's go. Confirmez les paramètres. Monaco. Hé, hey, je connais. J'en reviens, j'y étais. J'y étais là. Je reconnais ça. Ok. Ouais, la sortie du... Oh, oh là, le petit Bierman. Oh, Bierman à la sortie du collège. Passe aux choses sérieuses. Oh. Désolé pour l'attente, mais tu sais ce que c'est avec les avocats. Oui, mais il est majeur, Bierman, dans le jeu. Avec 80 pages de jargon. Il était pas bien. Et attendez, mais il était pas majeur l'année dernière. Il avait quel âge? Crois-le ou non, je suis finalement... Il a 16 ans. Mais oui, il est un bébé. Sérieux, regarde un peu ce qu'on a là. Oh, le Jim Slim. Oh, le Jim Slim. Mmh, attention, la casquette. Apparence, blablabla. Mais ce qui nous intéresse... Blablabla. Au final, c'est ce qu'ils attendent de nous. Ok. L'écurie veut que tu donnes le meilleur tout au long de la saison. Faire en sorte de... On n'entend rien, non? Et que tu deviennes une légende. Il a 14 ans, Bierman. Maintenant... À toi de jouer. Non mais alors déjà on est chez As. Je pense que vraiment si je devais signer un contrat et que j'étais chez As, j'irais pas le signer à Monaco. Grand max, on le signe dans un Burger King, okay, dans le Nevada. Voilà. Mais négocier ton contrat. Comme ta carrière évolue, l'écurie attend une réelle progression. Ah, donc je dois mettre un objectif de notes d'ici la fin de saison. Comme ça, l'écurie, toi et moi, pourrons suivre tes progrès. Donc là j'ai une note de 67. Idéalement il voudrait une note de 71. Tu trouveras les informations sur... Ah, je vais faire qu'une saison chez William, chez As, par contre. Hein. Un contrat plus. Je vais pas faire 36... En vrai, je sais pas si c'est dur à augmenter la note. Vas-y, on va faire arrogant, on va mettre 72. 72, c'est pas mal, non? 92, je vais pas aller qu'à 77, max. Vas-y, tu sais quoi, je vais mettre 74, comme ça, on pourra viser des grosses teams. Parce qu'en fait, faut réfléchir derrière si on veut aller chercher d'autres équipes. Il me faut une bête de notes. Allez, 75. Une saison. Je signe. Maintenir pour signer. Ah, on a signé. Tu es ok, nice. De départ pour la nice, vamos. Je remonte le son après, les gars. Génial, non? Génial, non? Eh, tu signes chez As, mon coco. Génial, mon petit Oli, non? Allez, pour l'exclamation Oli dans le chat, on n'oublie pas, bien évidemment, vous avez le code Hydro. 15% de réduction grâce au code Hydro sur les boissons énergisantes et les Ice Tea chez Oli qui sont exceptionnels. Voilà, voilà, c'est beaucoup... Ah, c'est beaucoup 75. Merde. C'est Artec, là, la maison, là, eh, franchement. Voyons rapidement deux ou... Oh, comment il était droit, comment il... Alors. Tout au long de ta carrière, tu vas recevoir... Un tas d'informations importantes, comme Jean Haas qui t'insulte. Également d'une super équipe de spécialistes. Les spécialistes, ça, c'est les Avengers. Les pilotes comportent toutes les informations importantes... Ok. R&D. Jeff. Je suis ton ingénieur pour la saison qui s'ouvre. Et je suis hyper content. Je déteste ça, en français. Dès que tu seras disponible. Ok. Donc, en gros, on a... Putain, j'ai mon intensité classique avec Hülkenberg, Ayaoko Matsu, mon nouveau team principal, Jeff. Ok, là-dessus, pas de surprise. Les spécialistes. Alors... Qui va collaborer avec nous à temps partiel afin de maximiser la... Oh, il a l'air de se faire chier, le bougle. Oh, il a l'air de se faire jeu, mais de se faire vraiment, vraiment chier là. Hein. Remplis ses objectifs pour améliorer... Ça, je l'ai fait, la blague sur le stream de Robin l'autre jour. Bah, l'intensité classique, c'est une intensité, mais classique. C'est une intensité classique, quoi. Amélioreront leurs compétences en R&D. Ok, donc lui, il s'appelle comment? Expertise en fabrication. Alors, on a un mec qui bosse chez Brico Dépôt.
Alors. Chaque spécialiste dispose d'avantages correspondant à son domaine d'expertise. Ok. Améliore ta relation avec chaque spécialiste pour accéder à l'avantage associé. Tu peux aussi sélectionner l'objectif disponible de ton choix pour le prochain week-end de course. Tu peux même changer d'avis à tout moment, ici comme sur la piste, avant le début. Ok. Donc en gros, là, on a les objectifs qui nous permettent de débloquer des avantages sur le développement de la voiture. C'est pas mal, c'est pas mal. Change l'endroit de ta cam. Oh, y a tellement d'infos, les gars. Je pense honnêtement que là où je suis actuellement, c'est peut-être la meilleure option. Hein. Participer à ou sauter simuler 3 séances pendant le week-end. Non, je vais mettre terminer le week-end de course en vrai. Afficher les objectifs. Ok. Donc ça, c'est mon objectif pour l'expertise. Cette icône représente ton ou ta spécialiste. Ah, mon spécialiste préféré, bah, j'en ai qu'un pour l'instant, donc bah voilà, j'ai pas le choix. Bienvenue dans l'onglet. Oh la vache, putain, il y en a des choses ici. Informations sur ton contrat en cours. Alors. Tu peux commencer par consulter les informations de base relatives à ton contrat. En vrai, c'est stylé que maintenant on puisse se faire virer. En vrai. C'est quand même stylé, tu vois, une coop cette année. C'est pas prévu pour l'instant. C'est-à-dire que si on dépasse, enfin si on passe en dessous de 62, je me fais virer de chasse. Et du coup, j'en déduis que si j'atteins 75, soit je suis promu, soit on me repropose un contrat. Je pense que si j'atteins 75 ou plus, j'ai des équipes qui débarquent. Oula! Prochain avantage débloqué. Première amélioration secrète en R&D, deux améliorations simultanées, accélération des R&D. 2, 3, 3, infini. Ok, d'accord. Ah, faut qu'on tabasse Hülkenberg du coup là. Ok. En vrai, c'est stylé. Oh là 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 là, attendez. Réviser le contrat, 24 courses restantes. Vous avez la possibilité de réviser votre contrat sans fixer une note d'objectif inférieure à cette saison. Ok. Mais ce sera toujours mieux que de se faire virer. Cette option n'est disponible que si tu te situes en dessous de ton objectif de note. Donc faut pas être en dessous de l'objectif. Donc si je suis en dessous de 75, ok, ça roule. Cet argent il est bien en dessous. Oh les bâtards. Si tu as signé un contrat, je peux me casser. Tu peux le résilier. Comme tu t'en doutes, les écuries. Ah, je peux me casser. Bon alors là, watch me. Hein. On a la pire équipe, les gars. Moi je vous le dis, non, en vrai, vrai de vrai. Est-ce qu'on se met un objectif d'aller performer avec As ou on se casse le plus vite possible? S'il faut trouver un autre baguette, on part dans quelle mentalité? C'est petite question là. Yo, hello à ceux qui arrivent. Go performer avec As. On va vraiment rester chez As, ça veut dire? Merde. Mais ça, je connais, ça a pas changé. Oui, oui, ça va, je connais. Ok, attendez. Voici tes distinctions actives. Oh là 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 là, mais il y en a des choses. Sa glorieuse carrière en F1. Chaque distinction compte plus. Tu t'en sers comme tremplin. Différent, tu proposes, tu connais. Hein. C'est le contrat que tu connais bien. Pour savoir comment boucler l'échelon en cours. Et gagner les récompenses. Lorsque tu en auras obtenu une, elle apparaîtra ci-dessous. Ok. Mais à ce rythme-là, on roule demain, les gars. Hein. Enfin, là, on va faire une course ce soir, hein, si ça continue. Alors, nombre d'échelons. Donc, on a top 5 en qualif, top 10 en course, podium, points en championnat, top 3 au championnat. Là, je pense que top 10 en course, déjà, ce serait pas mal. Mais avec une As, pas convaincu qu'on ait un top 10 en course. Pendant ta carrière. Oh les Avengers. Oh là là, mais regardez la dégaine de Bierman. Bierman, c'est un mec qui se bat au bar, hein. Ça, c'est un mec à qui t'as fait tomber le vote carré de bulle, il se retourne, il te regarde comme ça, je vous jure. Hein. Par contre, Hülkenberg, il a la tête de Ken dans Barbie. Ok. Bon, ça, c'est les trois rivalités, du coup. Donc, rivalité championnat et rivalité avec la note du pilote. Certains moments clés de la saison peuvent exacerber l'intensité. Ok. Le niveau d'intensité est... Ouais, pour l'instant, la gueule de la... L'évolution de tes notes de pilote tout au long de ta carrière. Ok, enfin, ça c'est pour voir un petit peu où on en est au niveau de la note. Enfin, en bas de l'écran, tu peux lire un descriptif de chaque note. Ok. Sélectionne des pilotes dans la liste... 95 Est-ce qu'on parle d'ailleurs des notes? Venez, on en parle un petit peu des notes. Merci pour tous les resubs, tu roules. Bah attends, je dois voir tout ça. Venez, on parle des notes, 2 secondes, DF1 24. Verstappen, il a 95, Alonso 91... 88 pour Leclerc, 89 pour Sainz, 88 pour Hamilton. Aïe, 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 aïe. 88 Hamilton, il a la même note que Norris. Et il a quasiment la même note que Perez Hamilton. Aïe, 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 aïe. Faut doser, hein. Non, Alonso, il n'y a eu aucune mesure. Autant le 95 Verstappen, je suis totalement d'accord. Hamilton aurait mérité un bon 90 minimum.
Hamilton aurait mérité 91-92, ça m'aurait pas surpris. Alonso, un bon 89-90, pourquoi pas. Je trouve que Leclerc et Sainz réglo. Norris 88 réglo. Perez 87. On aurait peut-être pu le descendre à 85, tu vois. Russell 87, ça joue. Albon 84, ouais. Gasly 84, oui. Piastri, Ocon. Ocon aurait mérité la même note que Gasly, je pense. Ça aurait tous les deux mérité un 84. Donc, bah, Piastri lui manque juste de l'expérience, du coup, forcément. Hülkenberg 81, Ricardo 82, Tsunoda 81. Ouais, Bottas 81, Magnussen 79. Après, ça va en vrai, mais. Qui a la pire note ? Ralf Bochung. Ok. Ok. Sainz au-dessus de Réglo, tu dis. Le Sainz au-dessus de Leclerc, tu dis Réglo. En vrai, ouais, bah, en fait, la note générale, elle se fait sur plusieurs. Sur plein de petits trucs. Et au vu des notes qu'ils ont données à Sainz et tout, ça me paraît pas déconnant, tu vois. Ça peut se tenir. Bon, alors, faut savoir que cette année, du coup, on est deux à développer la caisse. Donc, lui, il va aussi faire des pièces de son côté. Bah, là, je peux rien faire avec 300 points. Là, je suis baisé. Là. Bah, 300 points, on peut rien faire. Voir les avantages. 12. C'est quoi le bouton 12? Ah! Tu peux visualiser ici les avantages disponibles auprès de... Oh, il y a un nombre de nouveautés. Quand je vous avais dit qu'il y avait des nouveautés en mode carrière, putain, j'avais pas rigolé. Hein. Ils vont refaire les notes. Non, les notes seront pas refaites. Les notes seront clairement pas refaites. Mais il est où Logan? Sargent combien? Sargent, je crois il a 70. Si je dis pas de bêtises. Bon, attendez, on va avancer un petit peu dans le temps là. Ressources humaines. Ok, Hülkenberg a gagné des points. Révélation de la nouvelle grille. Putain, c'est vrai qu'ils ont mis ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé en vrai ce qu'ils ont fait cette année. Petite cinématique. Petite cinématique à Bahreïn. Oh la dégaine qu'ils ont. Oh là là, Gasly, il sort de la douche là. Hein. Vraiment. Hein. Est-ce qu'ils ont fixe Tsunoda ou pas? Parce que Tsunoda, je me souviens que Tsunoda, il faisait genre 2 mètres. Hein. Tsunoda, il faisait ma taille IRL. Hein. Ok, Russell, Leclerc, Sainz. Norris, c'est bien fait en vrai. Stroll, pas mal. Ocon aussi. Albon, bien fait de fou. Mais Tsunoda, il fait pas cette taille. Mais Tsunoda, il fait pas la taille de Ricardo. Hein. Ricardo, c'est l'un des plus grands pilotes du paddock. Tsunoda, il fait les rebonds en NBA, là. Il y a un problème, hein. Moi, je vous le dis, hein. Ah non, mais ils font tous la même taille. Il y a un souci dans la Matrix, les gars, là. Hein. Objectif de la saison, il va falloir s'armer de patience en début de saison à mesure où nos performances sont à la traîne. Super. Super. Allez, des petites ressources. Hop, hop, hop. Merci, Nico. Donc là, à partir au premier GP sans la moindre amélioration. Bah, ça fait plaisir, écoutez. C'est sympathique. Ouais, non, mais c'est bon, j'ai compris ça par contre. Ok, let's go. Bon, bah, on va aller tester. On va aller voir. La physique, c'est mieux. On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir. Allocation des pneus du week-end. Oula. Oh, ça bosse. Oh, ça bosse. Oh, ça bosse dur. Oh, ça travaille. Oula. Oh, le petit coucou, c'est mignon. À tout à l'heure, Nico. Oui, bon, ok, il y a une cinématique, mais on en revient au même point. Mais ouais, il fait 4 mètres. Mais attendez, mais. Et c'est moi ou c'est Bierman là dans le jeu? Regardez la POV comparée à l'écran, mais excusez-moi, mais. Le bug, il est comme ça dans son ordi ou quoi là? Frère, je suis. Ok, très bien. Y a pas de souci. Même la Red Bull de Gran Turismo a pas osé un grip aussi débile. Hein? A pas osé un grip aussi débile. Ah, tu parles du jeu. Ok, attendez. Aperçu. Hein, ok, bon, d'accord. Oui. Terrifiant de sa tête. Elle est terrifiante, sa tête. C'est digne d'un Disney, là. Hein. C'est vraiment le méchant du film. Ok, les performances, la renommée. Donc ça, pas de souci. Je vais être dernier, là. Je vais être dernier en fait, non? Attendez. C'est. Mais qui parle? 2024 débute avec une meute lancée aux trousses des Red Bull. Mais où est Julien? Ça commence ici avec les essais libres. Quel plaisir d'être ici. Mais qui es-tu? Les pilotes ont mille choses auxquelles penser mais... au moment où je vous parle. Plus vite vous adaptez votre voiture aux conditions du circuit et à vos sensations, et mieux ça sera. Ensuite seulement, vous pourrez vous concentrer sur vos... Ok, Jacques, mais là c'est Julia Fébrette ou... C'est Julia Fébrez?
C'est Juju. C'est Nathalie Pinkham. Mais Nathalie Pinkham, elle est pas française, donc pourquoi on nommait Nathalie Pinkham? Enfin. Où est Julien? Premier tour de roue pour la voiture officielle. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais tu vas devoir te familiariser avec les équilibres pour nous fournir des données. Moi, je sens que ça va mal se passer. Hein. Moi, je vous le dis que cette première course, elle va mal se passer. Hein. Je suis sûr. Je vous le dis tout de suite. Hein. Super année. Jeff STP change de voix. Alors, séance d'essai libre. J'ai pas de setup, j'ai rien là. On va y aller vraiment biter le couteau. Hein. Reconnaissance du circuit. Hop, hop, hop. On va aller rouler comme ça. On va aller tester un petit peu ce que ça donne et on va voir. Bon, alors, ils ont refait les moteurs. Ils ont refait les moteurs. Il va falloir qu'on se donne un avis. Le moteur Ferrari, vous allez me donner votre avis. Paramètres audio. Alors, j'ai dit qu'il fallait. Attendez, il fallait que j'augmente quoi ? Les voix à 9, les effets à 7. Ok, comme ça on est pas mal. Les sous-titres, je pense qu'on peut les dégager. Voilà, on est bon. Ok, vamos. Qu'est-ce qu'on pense du moteur Ferrari ? Son objectif est de prendre autant de virages que possible. Ah la vache, pour la physique. Oh la physique, oh c'est terrifiant. Ça va vous ? Je vais me mettre comme ça en vrai. Le jeu est pas trop fort là, c'est bon ou pas? Ou le jeu est trop fort? Le bruit. Est-ce qu'on aime le bruit ou pas? Zone de DRS à l'approche. Prépare-toi à utiliser ton DRS. Ouais, sa voix est trop forte, sa voix est... Elle doit te faire une mazépine. Attendez, sa voix est beaucoup trop forte. J'ai mis 9, mais j'aurais jamais dû mettre 9. Audio. C'est où audio? Là. Attendez, hop. Alors déjà, il s'est passé un truc, je sais pas si vous l'avez vu, mais... Oh, c'est abusé. Oh, vivement le patch. Vivement le patch. Mets Jeff en anglais. Ça vous dérange pas si je mets Jeff en anglais? Je le fais tous les ans en soi. Hein. Je peux mettre en anglais, c'est bon, ça vous casse pas trop les couilles. Audio, Jeff. Alors... On va mettre faible et langue de la radio. Non. L'auto dietro di te è a corto di carburante. Prova a distaccarla senza ta gueule. Rischi. Il commissario vient d'infliger une oui. Allez là. Anglish. Okay, thanks. Parfait. Parfait, parfait. Il y avait Chavi, c'est bon. Là. En fait, du coup, pour vous expliquer, en gros, on va être. Mais attendez. J'ai pas rêvé là, il s'est passé un truc là, attendez. Ah mais attendez, on va tout de suite désactiver ça par contre. Ah mais c'est pour ça que j'ai galéré avec la F2, ça freine tout seul. Aide au freinage. Non. Ah mais voilà, putain, c'est pour ça qu'en F2 j'étais garé. Voilà. Le problème avec la physique, parce qu'il faut être honnête, il y en a un. La physique est pas fun à... Enfin, si elle est peut-être fun, mais... Le truc, c'est que l'avant a beaucoup trop de grip, en gros. Donc, en fait, on te l'a dit 20 fois. My bad, my bad, my bad. Je pensais que je l'avais modifié. Du coup, l'avant, si vous partez en tête à queue ou quoi, vous reprenez tout de suite du grip. Alors, typiquement, tu vois, si je fais ça avec une vraie voiture, jamais la voiture, elle tient. Donc, bon. Je veux bien que les voitures aient beaucoup d'appui, que les Formule 1, ça tienne au plafond, etc. Vous voyez, visuellement, genre la voiture, ce que ça fait, là. Normalement, si je fais ça, ça part en spin, tu vois. Et là, elle part pas en spin. Alors, je sais pas comment ils se sont démerdés. Je sais pas comment ils ont fait pour que les voitures, elles aient autant de grip cette année. Putain, c'est vrai qu'en plus, il va falloir gérer maintenant le RS et tout. Oh, voilà, galère. Il a mis la BS. Attendez, me dites pas que je me suis encore trompé. Ben, c'est bon. C'est ça que je voulais mettre du coup. Ça a l'air tellement horrible. Bah du coup c'est pour ça que j'attends avec impatience le patch dans 2 semaines là. Si jamais fallait pas le dire, on est d'accord que j'ai jamais parlé de patch. Hein. Mais c'est ça que j'attends de voir un petit peu comment. Oh là là. Bizarre. Bizarre le freinage. En plus j'ai pris une as, quelle idée, mais quelle idée! Les gars, j'ai mis LED, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai mis LED parce que mon pédalier, il est cassé. Et que du coup, si je le désactive, je bloque les roues dès que je touche le frein.
patch, j'ai jamais entendu parler. On est d'accord. Le quoi? Non, rien. Rien du tout, on est d'accord. Oh là là, c'est vrai qu'on va se traîner avec l'as. Moi, je vous le dis, Bierman. Oh putain. Bierman, il est pas prêt de signer chez Ferrari, hein. On n'est pas prêt d'y arriver, hein. On dirait Real Racing 3 sur mobile. On est d'accord qu'on dirait totalement. Raté. On dirait totalement un jeu mobile, en fait, le onboard. On dirait F1 Racing Mobile, je sais pas comment ils appellent ça, là. S'il n'y a aucun changement, tu comptes retourner sur le 23. Ah non, non, non. Je retournerai pas sur le 23, on va s'y habituer à cette nouvelle physique. Hein. Juste là, forcément, bah ça fait bizarre, quoi. C'est assez horrible. En fait, je sais pas si c'est horrible. C'est juste pas réaliste. Ah, fuck. C'est ça qui est chiant, en fait. C'est que c'est juste pas réaliste et du coup, bah... perturbant, en gros. Ok, vamos. Le moteur surchauffe giga vite. Bah non, t'as des objectifs de température et tout. Faut faire gaffe en ligne droite, faut sortir de... Vous avez des objectifs des fois avec les spécialistes moteurs, genre en mode faut pas que ton moteur il surchauffe pendant un tour, etc. Faut utiliser l'accélérateur pour faire tourner la voiture dans le virage. Ouais, bien vu. Bien vu, bien vu. De toute façon, il va y avoir des tricks de zinzin. Hein. Avec une physique comme ça, il doit y avoir des petits glitchs ou quoi pour soit faire tourner la voiture. Ouais, tu mets un tout petit coup de gaz. Dans tous les cas, la voiture, elle sort à mes droites. Merci pour tous les resubs et les follow hein, ce soir. Merci beaucoup, tout le monde. Ouais, j'ai joué Bierman, du coup. J'ai fait Oliver Bierman. Ça va, j'ai un tour clean, mais bon, il est lent, quoi. Hein. En 34 et quelques. 34-7, c'est pire. 34-7, bon. On n'est pas dans la merde. C'est impossible de spin. C'est pas impossible de spin, mais disons que... Tu spin pas aussi facilement qu'avant. Attendez, il y a quelqu'un qui me donne un réglage depuis tout à l'heure. C'est quoi le réglage? 30-15. Moi, je mets un setup, je sais pas ce qu'il vaut. Hein. On va tester. 30-15, 25-15... 25-15-0. Ok. 3-50. Ok. Ensuite, on a quoi? On a 2-20, 25-25, 2-20, 25-25. Et ensuite, derrière, on a quoi? On a 20-15, 1-1, 40-60, 20-15, 1-1. Non, c'était quoi? 1-1. J'ai oublié. Attendez, j'ai perdu le 20-15. 1-1-40-60. 1-1-40-60. Ok, let's try that. Ok, frein. Hassoul. T'as mis 25. Bien vu. Et frein, du coup, c'était quoi? 154. Ok, et... Ah, c'est quoi, du coup, s'ils ont changé les pressions en plus sur ce jeu maintenant, les gars? 23-0, 23-0, et... 20 par 25. J'ai pas mis 20 là. Je viens pas de mettre 20 là justement. Attendez. Ah si, je viens de mettre 20. Pourquoi vous... 20 par 25. De quoi? Qu'est-ce que vous me racontez? Je devrais faire un setup à l'aveugle pour qu'on s'amuse. Oh non, 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 déjà que je vais galère. Déjà qu'on va avoir du mal à faire un week-end normal. On va pas s'amuser à faire un setup à l'aveugle. Et regarde le stream sur PS3. Oh, vous avez fait la même bonne. Vous avez fait la même bonne, chacun les petits. Il y a un site pour les setups. Ouais, il y a des sites pour les setups. Bon, là, il doit pas y en avoir encore vu que le jeu vient de sortir aujourd'hui, mais. Alors, faut que je vous montre la map du coup. J'ai vu votre message. Alors, affichage à l'écran, personnaliser l'écran. Là, c'est toujours un enfer pour comprendre. Filtre normal, course. Ensuite, 7, 8. La minimap, on la monte. Là, il va pas vouloir que je la save ici. Ça, je vais y mettre là-dessous. Hop. Voilà. Et hop, on va rester comme ça. Ah, mais non, attendez, il vous faut la qualif aussi. 9.
perdu. C'est pas le 9, ça. 7, 8, 9. Qualification. Putain, on pourrait pas faire un truc plus simple, sérieusement. Ok. Non. Putain, ouais, c'est assez de là. Ok. Et en vrai, je vais laisser le... l'overlay au milieu pour l'instant, je pense. Je sais pas si je l'enlève et je le mets à droite, l'overlay, en fait. Le truc des, de la batterie et tout, est-ce que je le mets en bas à droite ou pas? Ok, donc là, je suis en mode dépassement. Ça me remet en intermédiaire. Là, je passe en chrono, dépassement, ok. Putain, on va galère. Hein. Je joue en vue cockpit. Non, j'aime pas. J'aime pas la vue cockpit, honnêtement. Oh, c'est une dinguerie comment on peut prendre les vibores, par contre. Rip. Ok, bon, va falloir s'habituer aux 5 modes de RS. C'est le retour des anciens modes. Ok. Voir ce que ça donne. T'es excellent à passer les changements. De quoi à passer les changements? Oh putain. Il a pas validé les changements, je viens de voir. Putain, mais non. Vas-y, attendez, mais je finis mon programme. Putain, je vais aller trop vite. My bad. My bad, my bad, my bad. Terrible. C'est quoi le mode ERS course? Le premier qui me répond c'est pour la course, je vous jure je lui mets une baffe. C'est genre en mode c'est... Tu gagnes plus de puissance, tu fais quoi? Vitesse de pointe, tour propre, secteur propre, ok. Alors il s'active pendant... Je sais même pas regarder le chat puisque je sais très bien ce que vous allez répondre, bande de trolls. Oui. Je sais très bien ce que vous allez me dire, bande de chiens. Ben oui, c'est pour la course, merci, c'est pour le dimanche. C'est pour l'après-qualif. Mais c'est quoi la spécificité du mode course, entre guillemets? Oui. Ok, let's go. C'est pas le top-up de FAM, je sais pas. Tu peux activer que le mode dépassement. I. Attends. En qualif, tu peux activer que le mode dépassement. En soi, bah c'est de la merde. Est-ce que t'es en quoi du coup? T'es en intermédiaire ou en course pendant la qualif? C'est un intermédiaire mais plus long. Ouais mais donc du coup ça veut dire que en course je me mets quoi? En intermédiaire ou en course? C'est en chrono. Attendez, on va faire le tour. On va faire le tour ensemble de ce qu'on a. Alors, on a désactivé, intermédiaire, chrono, dépassement. Ah non, mais pourquoi je dis course depuis tout à l'heure? C'est chrono. Il sait pas lire. Ah ouais, non, mais j'ai mal lu depuis le début. Je croyais que c'était marqué course. Je trouve le bruit du moteur atroce, voilà, je vous le dis. Je le trouve vraiment horrible, le moteur Ferrari. Hop là. Raté. Non. Oh, la puissance du mode dépassement par contre. Frère, freine. Attendez, on va faire un test, mais la puissance abusée. Le son est le digne d'un jeu d'iPhone. Ah, j'aimerais bien comparer avec les onboard de la vraie vie, mais je suis quasi persuadé qu'il fait pas de bruit le moteur Ferrari. Hein. Regardez le delta. Là, on est à 3 dixièmes, ok.
On a repris un peu de temps, mais en mode, regardez, on est à 3 dixièmes. J'active le mode dépassement. Putain, le delta, comment il descend une vitesse. C'est la nitro dans Need for Speed. Hop, mode dépassement, on est sûr de passer en vert, c'est bon. Vamos. T'es mal à batterie aussi. Oh, elle descend une vitesse. Tu fais une ligne droite en dépassement, t'as plus de batterie. Hein. Ok. Bon, on est pas mal en vrai. Demain, le début du mode carrière sur YouTube. Alors, je vais pas vous mentir, le mode carrière sur YouTube, il va attendre quelques jours. D'accord, je viens de rentrer. Demain, le matière. En fait, je viens de rentrer, donc j'ai rien pu pré-record. On m'a envoyé le jeu littéralement le jour où je suis parti. Donc voilà. Donc le jeu complet, j'ai pas pu faire de mode carrière ou quoi. Et j'ai d'autres trucs à faire, tourner, rendez-vous, machin, etc. dans les deux prochains jours. Donc je vais vous en enregistrer au maximum. Comme ça, après, on pourra lancer ça tranquillement. Et même quand je serai absent, vous aurez toujours des modes carrière comme ça. Attends la mage. Non, en vrai, je pense pas. T'es en cinématique ou en diffusion? Je suis en diffusion. Je suis en diffusion pour le mode audio. Je comprends pas parce qu'on bat le Delta depuis tout à l'heure, mais je suis loin des chronos de Sergeant Gasly et tout là. Je vais mettre en mode chrono pour voir ce que ça donne. C'est quand Cool Room? Vendredi. Ouais, donc chrono en fait c'est pour un tour. T'as intermédiaire, cool. Non, tu dépenses pas. Chrono pour un tour, dépassement, une ligne droite. Ok. Pour la cool room, il fallait être là au début du live, les enfants. On en a parlé au début du stream. Dédicace à personne, fallait être là. On vise la P18 ou c'est comment? Alors, on vise la Q2, hein. Passer en Q2, ça va être un exploit avec cette voiture. Hein. En même temps, j'ai pris vraiment la pire voiture du jeu, le chat. Moi, tout ce que je veux, c'est me taper Nico Hülkenberg. Comme ça, hop, on prend sa popularité. On prend son buzz, etc. On gagne en points, on gagne en notes. Let's go. Non, mais... Non, tapez Nico Hülkenberg sur la piste. Vous êtes bizarre le chat un peu là, non? Les gars, genre... curieux tout ça là, ce que vous dites là. C'est vous êtes bizarre. Oh, tourne. Et moi je vais rouler comme Yarno. Mire, à mettre des grands coups de volant, ça va être vite réglé. Hein. Merci Axel, merci tout le monde pour les resubs. Vous avez tous resubs ce soir, je remercie absolument personne. Je l'ai recroisé à l'aéroport. Non, par contre, ce matin, j'étais au check avec Van Dorn. Ce matin, voilà, petit contrôle d'aéroport avec Stoffel Van Dorn, Pépouze, je sais pas où il allait. Bon, et ben, on est 20ème, on est dernier pour l'instant, nickel. Nickel, nickel, nickel. Il s'est fait recal, non, non, lui est passé Pépouze Andalouse. Hein. Rythme de qualification... Bah on va tester, on va voir à quel point on est lent, on va voir ce que ça donne. Go baisser la difficulté, on va attendre la première qualif déjà. Je vais voir. Il y a toujours les voitures GT comme sur les anciens F1. Alors je crois qu'ils ont enlevé les supercars, non? Je crois qu'ils ont désactivé les... enfin désactivé, ils ont enlevé les hot lap. Parce qu'apparemment ils disaient que ça marchait pas trop, etc. Le setup, quoi le setup? Quoi le setup? Ok, let's go. Ok, oui, il y a le mode dépassement. On est trop tard.
physique elle est à 300, hein. Ah, vraiment horrible. En fait, elle est pas agréable. Elle est pas agréable en fait à rouler. Oh, le graphe, vraiment. On voit pas la carte. Attendez, je vous le fais juste après. Les tracks limite c'est pas mon problème, hein. Not my business. Bon, si on passe en Q2 c'est un exploit, hein. Si on passe en Q2 les gars, je vous le dis, c'est un exploit, hein. Aïe 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 aïe. Merci Max, merci Bancaz, merci beaucoup. Tcha 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 tcha. Compliqué là. Compliqué, compliqué cette histoire là. Sympa le quad Warzone. Frère, je. Oh, oh, what's going on? Déjà, essayer d'être devant Nico. Non, meilleur tour. P4 terminé, mais un week-end exceptionnel de Formule. Je suis à 1/10 d'Ocon, c'est bon. Je suis à 3/10 de la Williams. Les IA sont à combien? Je les ai mis à 90, je crois. Du coup, tu penses quoi des F20? Frère, le, vraiment, je vais pas m'y faire. Hein. L'overlay où je suis à 3 mètres du plafond, là, je vais... Ça non plus, je vais pas m'y faire à chaque fois. Hein. Bon, bah écoutez, on part en qualif. Hein. On part en qualif. Je vais vous modifier la... Je vais vous modifier la map pour que vous la voyez, quoi. Europe roule en 105. 4... Ah, j'ai mis 95. Mais ouais, j'ai mis 95, pardon. Le mélange carburant. Je peux pas le changer, ça, si? Ok, 250 points. Égalité. Comparez vos stats à celles de votre partenaire. Ok. Expérience. On prend un petit peu en expérience. Ok. Ok, ok, ok. Vamos. Vamos, vamos. Mais c'est pas parce que Rob, il joue en 105 que je vais jouer en 105, les gars. Les pilotes vont devoir réussir. Parce que Robin, il joue depuis deux semaines, etc. Il a eu le temps de jouer, de faire des streams, des vidéos, etc. Moi, j'ai pas eu le temps de retester le jeu depuis. Donc, et puis Rob, c'est une machine, c'est un pilote e-sport, quoi. Donc, forcément. Je crois que j'ai mis 90 après la F2, hein. Il me semble. Non, la 7 a pas bougé, j'ai pas besoin de le changer. Juste baisser le carburant. Ok, et on va aller tester un tour, hein. Vamos, hein. Vamos. Hein. Ça ira mieux avec un bon pédalier. Oui, ça aussi, d'ailleurs, c'est que moi, mon pédalier, il est cassé. Donc, je ne peux pas rouler comme avant. C'est où? Option de caméra. Non, j'avais une chance sur deux. Fichage à l'écran. Ok. Alors, on recommence. Du coup. Donc, on va changer. Non, on va changer la map. Ça. Ah non, mais c'est bon. Vous m'avez menti, j'ai changé, les gars. Ah putain, parce que j'ai pas changé dans les essais. Contre la montre. Attendez, élimination. Attendez, course, c'est bon. Qualif, c'est bon. Essai libre. Ah, c'est les essais libres que j'avais pas changé. Oupsie. Hop. Ah, vous voyez, vous me prenez pour un débile alors que c'est juste le jeu qui est mal fait. Pourquoi? J'avoue, j'ai jamais compris pourquoi ne pas faire un truc tout simplement et avoir 12 000 la map. Hop, voilà, pendant les essais. Vous la voyez bien ou pas là? Je vais la mettre là comme ça. Eh, mais le didacticiel, j'en ai rien à branler du didacticiel là. Je mets tous les objectifs là. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, ça c'est quoi? Contre la montre. Je fais jamais du contre la montre. Élimination. Je fais jamais de l'élimination. Ok. On est bon là, vous voyez les maps? Il y a une map que vous voyez moins bien que celle-là, là, vous l'avez moins bien. Non. Non. Là, vous la voyez bien. Ok, confirmez les changements. Vamos. Donc là, on est bon là. Putain, quel enfer, hein. T'as modifié les caméras des voitures. Les gars, je teste le jeu, hein. Pour info, je l'ai installé vraiment il y a... Je l'ai installé une heure avant le live, le jeu, donc... J'ai rien réglé encore pour l'instant. C'est bon, vous voyez bien? Ou pas? Merci, Tuguchi, merci beaucoup. Peut-être que je mettrai la map en grande, parce que là, c'est virage par virage. Ok, vamos.
Allez, c'est type hein. T'as pas mis les qualifs complètes. Non, j'avoue, ce soir, les gars, on teste le jeu, juste. Je ferai les modifs pour demain soir, les gars. Demain soir, de toute façon, 20h, on continue. J'aurai eu le temps de tout régler. Tout sera bon. Ok. J'ai pris qui comme pilote? C'est marqué en haut à gauche. Ok. Ça va en vrai, non? Le moteur est horrible. À part le dernier virage, le tour a l'air correct. Ma réponse sur la ligne. Ah les gars, je suis rookie hein. Ah les gars, c'est Birman hein. Je vais pas non plus passer en Q3 alors que j'ai Birman. Les gars, faut un minima de réalisme hein. Je ne peux pas me permettre de... Le mode de RS. Le RS, tu l'as oublié. Mais le RS, on peut pas le changer les gars. Ah, vous allez me stresser à vouloir tout le temps crier et me dire des trucs. Le RS, on peut pas le changer. Je peux juste activer le mode dépassement. Donc le mode RS, on peut pas le modifier. Juste, j'ai activé le mode dépassement sur les trois lignes droites. C'est tout. Ah ouais, mais les gars, j'ai la pire voiture. Je dois être loin. Oh là 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 là. 1 seconde 7. Oh, je vais me battre contre Sardine. Non, en vrai, je suis à 1/10 de Hülkenberg, donc ça va. Ah ouais, c'est vraiment juste que la voiture, elle est à chier. Oh la vache. Oh là 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 là. Il me faut combien? Il me faut 4/10. Oh, tchou. Le mode RS, c'est le mec loin. Non, mais j'ai pas fait gaffe, mais tu peux pas le mettre en chrono. Mais il est en chrono. Quand vous êtes en qualif, le mode RS, il est bloqué en chrono. Vous pouvez pas le changer. Tu peux juste mettre le mode dépassement dans les lignes droites. Bon. Bah écoutez, on va ressortir avec un nouveau train de pneus. On va voir si on peut améliorer. Hein. On va voir. Ouais, c'est vrai que la piste va améliorer, donc il faut genre 5/10 minimum. Après, putain, bon, on va pas me trouver des excuses, on s'en fout, mais tu perds 4/10 dans le secteur 1. J'ai pas fait gaffe. Vous voyez, regardez, là, je suis en mode dépassement. Après, je suis en mode dépassement, mode chrono, voilà. Ok. Il reste 37 secondes. Allez, pitié, on se fait pas éliminer dans la première séance de qualif. Ça va être une élimination! On va se faire sortir! Oh non, vas-y, j'ai le seum. Ah bon? Vous avez rien vu? Putain, on va se faire sortir. Je suis out, il me fallait largement plus. Je suis out. Putain, j'ai tellement de... Bah, 17ème
17ème, putain, j'ai tellement plus de temps à aller chercher dans certains virages. Mais en fait, faut jeter la... Mais c'est... Faut jeter la voiture au point de corde, c'est pas normal. Oh, Norris P1, pardon. Oh, sa vie. Oh, j'ai battu lui. Qui... Oh, ils ont pas mis les éliminés. Oh, c'est nul. Ah non, mais c'est la fin de la séance. On va P17. P17, P17, je suis devant Ricardo, Hülkenberg, Sargent. Je suis à ma place, hein, soir. Hein. Je suis à ma place, malheureusement. Hein. Alonso, il vit, hein. Alonso, il est combien? Alonso, il vit, P4, hein. Ah, c'était pas ça dans la vraie vie à Bahreïn, hein. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je vous le dis, ok, ok. Ouah, Hamilton, P13. Bah alors, loulou, qui est pas saut. Ouah, Hamilton, P13. Tcha. Bon. Ah, Thomas Hülkenberg, comment il a le seum. Ouais, il a quoi, King Kong, là? Ça va, Birman, on le dérange pas? Devant, rival. Ok, 2 sur 6. On est en train de plier un classique, moi, je vous le dis. Expérience 0, aptitude 0, réaction 0. Rythme, j'ai battu mon coéquipier. Ok, 72. Vamos, vamos, vamos. Bon. J'ai mis les courses en 35%. Comme ça, on peut en faire deux et au moins, on découvre un peu tout ce qu'il y a à faire. Alors, séance à venir. Bonne chance pour cette séance. Ok, let's go. Le duel de la honte. C'est comment la conduite? En vrai, je sais pas pour l'instant. C'est bizarre. De toute façon, est-ce que ça se voit visuellement que c'est bizarre la conduite ou pas? Est-ce que ça se voit, genre, quand je mets des coups de volant, que la voiture, elle a un comportement bizarre? Moi, quand je regardais les vidéos et les streams, je le voyais, genre, la voiture... En fait, les suspensions ont vraiment pas le même comportement que la direction. Et... pas tant. Ah ouais? Le jeu est dispo si vous l'avez précommandé en édition champion, ouais. Et en fait, pour vous expliquer, c'est que quand vous tournez la voiture, c'est pas un mouvement smooth, c'est pas un mouvement, genre, léger et tout. C'est genre, d'un coup, la voiture, elle se braque d'un coup, tu vois. En fait, ils ont développé, normalement, et c'est ce qu'ils ont expliqué, ils ont développé une nouvelle technologie au niveau des suspensions. Et moi, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. Que justement, il n'y a plus l'effet des suspensions, il n'y a que la direction maintenant. Ta voiture, en gros, elle fait juste... Genre, en fait, ta voiture... Je sais pas comment expliquer, genre... Normalement, tu sais, quand tu prends un vibreur, ta voiture, elle se plie, genre, t'as le mouvement du châssis, etc. Et là, maintenant, j'ai l'impression que les roues, elles tournent gauche-droite. Genre... Prédit. Ah, vous voulez une prédit? Top 12, ah, je sais pas, frère, j'en ai aucune idée. Prédit. C'est vrai qu'il y a Julien derrière, oui, pas faux. Je suis à 90 de difficulté. Vas-y, mais un top 12, mais ça va être dur, quoi. Ça va être dur. Comme dans FM Manager, même sensation visuelle. Ouais, c'est ça, c'est un peu la même sensation. Russell, Bottas, ok. Oh, Pérez. Ah, peut-être qu'il y avait Pérez. Ouais, Hamilton, beau gosse de fou. Berman. Ricardo. Hülkenberg. Sargent. Et Guan Yu Zhou. Pénalité, déjà. Pénalité pour Joe. Ok. Merci Oscar. Merci Luminex. Merci Arthur. Merci beaucoup Enzo pour les resubs. Grazie mille à tutti. D'ailleurs, on est 5000 viewers. Je vous vois. Et là, vous suivez pas la chaîne. Hop. Contrôle d'identité, monsieur. Contrôle de police. Mesdames et messieurs, suivez la chaîne, ne soyez pas un rat, c'est gratuit. Voilà, je vous vois. Et maintenant, vous savez que je vous ai vu. Je sais que vous le faites, appuyez sur le cœur. Exactement. Qu'est-ce qui baragouine, Villeneuve ? 3 voire 4 pilotes se disputaient la victoire aujourd'hui. Croisons les doigts. Ils sont timides. Non, mais je sais que vous êtes timides, mais il n'y a rien de mal. On sera en live tous les soirs cette semaine. Je sais que vous n'allez pas vouloir manquer le prochain live. Donc, suivez la chaîne. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est le moment. Allez, on se dépêche. T'as vu Lyon samedi? Ouais, j'ai regardé la... J'étais à la rascasse, j'ai regardé le match sur mon tel. Bon, voir ce que tu disais sur Coolroom. Eh ben, mais toi t'es parano, hein. T'es vraiment un parano. Stratégie. Alors, je vais pas faire deux arrêts sur une course de 20 tours, je vais faire un arrêt, hein. Faire tant de hard. Je vais pas faire tant de medium. Non, tant de medium c'est risqué, je vais faire tant de hard. Let's go, merci Révideo pour le resub. Ok! Ouah, les strats, ça part en hard, ça part en medium, ça part en soft. Pas besoin d'argent pour mettre un cœur. Exactement. C'est gratuit. J'hésite à mettre le petit overlay là, des pédales et de la batterie à droite quand même. Je me dis que ce serait peut-être plus joli. Moi, j'aime bien voir les volants en fait. Je suis un bandeur de casque et de volant. Et du coup, ça me stresse. Alors, oh là 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 là, putain, mais... Pff, oh non, je le ferai après le stream.
touche pas les caméras après le live, j'ai la flemme. J'ai trop la flemme, désolé. Là, ah, c'est en rouge sur la minimap. Oh, j'avoue, j'avais pas vu. Oh. Ah oui, la barre. Bah si, j'avais vu dans le menu. J'avais vu que dans le menu, la couleur d'équipe, c'était rouge, mais j'avais pas vu que la flèche aussi. Oh, c'est terrifiant. Ça donne quoi, l'onboard? Ils ont même pas automatisé le... Après, en vrai, par contre, le jeu est joli. Hein. Le jeu, franchement, est nice. Très, très joli. Ça, tu peux pas leur enlever, tu vois. Allez, avance avec ta Visa Cash App Mastercard. Là. Ils ont enfin changé Spa. Pas que, hein. Ils ont fait Spa, Qatar, Jeddah, Sylve. What else? What else, what else, what else? Je crois que c'est tout ce qu'ils ont fait en circuit pour l'instant. Tu mets pas la map complète. Si, je la mettrais. Je ferai tous les réglages cette nuit, les gars. Hein. Pour l'instant, c'est pas le moment. J'ai vu, je dis ouvert. Bon, on a 20 tours. 20 tours, je devrais être capable de gagner 4 positions. C'est quoi la prédit du coup? Quoi la prédiction, le chat, là? Si tu finis dans le top 12, je me sub. Ok, vas-y. P12, ok. Regarde comment la voiture, elle spin pas, la voiture. C'est incroyable. Elle ne spin absolument pas. En fait, visuellement, tu le vois, le mouvement des suspensions, tu vois. Tu vois bien que la voiture, elle se... Je sais pas. C'est bizarre comment ils ont fait leur truc. Wouah! C'est pas ça le bruit du moteur. Oh là là là. Ah. Il semble me garer là. Ok, vamos! Allez, première course! D'Oliver Burman en Formule 1! Oh. Oh le sous-régime. Oh le sous-régime de malade. C'est qui me dive à l'inté? Oh, c'est mon chien de coéquipier! Ok. Vamos, P13, vamos, vamos. Deuxième. Oui, techniquement deuxième, oui. J'avoue, il a roulé à Jeddah. Ok, ok. Wesh, ça trace en ligne droite là. J'ai peur de trop taper dans la batterie au début. J'ai pas encore l'habitude. Faut juste que j'ai le DRS, je pense, pour l'instant. Tu feras gaffe aux pneus, ça dégrade bien à Bahreïn. J'ai voulu décroiser, c'est raté. C'est raté, merci Clem, merci Willy, merci beaucoup pour les resubs. Merci tout le monde. Ok. Essaye de me focus un peu. Wow! Essaye de me focus pour comprendre un peu comment les IA roulent. Alors, s'il y a des virages, ils sont moins rapides. 6 pubs. Bah si t'étais sub, t'aurais pas 6 pubs. Hein. Ou alors. Alors. Comment j'ai... Ouah, 15%. Ah oui. Comment j'ai pas eu de dégâts sur ça par contre? J'ai pas activé les dégâts?
Faites-moi penser après la course, les gars, à regarder les dégâts. Je suis pas sûr de les avoir activés là d'un coup là. Parce que là, normalement, j'aurais dû atomiser mon aileron avant. Les pneus arrière. Après, il y a que 20 tours, hein, les gars. On est en mode plus rapide là. Hein. Non, 35%. Hein. Mais ouais, on prend quasiment 4-5% par tour, je pense. C'est vrai que le DRS s'active au premier tour maintenant. Et oui! Ah oui, oui, oui! Je crois que j'ai trop tapé dans les RS déjà. Oh, wesh. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Oh, le bruit de moustique. Peut-être un petit peu raté mon freinage. Tout petit peu. Non, il n'y a pas les dégâts, 100%. Le moteur me perturbe de ouf, voilà, je vous le dis. Le moteur, ça me stresse de zinzin depuis tout à l'heure. En fait, j'essaie de me concentrer, mais j'arrive pas à me repérer au moteur. L'aileron est en acier galvanisé. Ok. Un peu loin là. C'est impossible de doubler en fait. Avec le RS, c'est impossible. Wow. Gasly depuis tout à l'heure il clignote, il le met en off son RS ou... Nickel. Pas à vous. Moi non. Ok. Secteur jaune enfin. Ah, ils ont enfin changé les codes couleurs, ça y est. Ah non, c'était rouge, non, c'était quoi? Wow. C'était rouge de mémoire. On se bat devant, ça y est. J'allais dire, c'est quoi ce truc bleu? Mais c'est mon coéquipier, c'est le rival. C'est la rivalité coéquipier sur Hülkenberg. Ok, ça se bat devant Bottas avec Stroll, je pense. Ah non, c'est Albon, Sargent. Non, Albon, Stroll, pardon. Ok, box. Je suis censé boxer 8ème tour pour l'instant, pas besoin. Ça fait 36 fois que je me rate ici. Ça fait 36 fois que je rate le point de corde. Ça va toi? Hop là. Ça va, je suis en 5ème, je patine. Oh
Enfin. Enfin, putain. Il m'a pris 4 tours quand même pour le doubler. Hein. Après, en fait, réalistiquement parlant, j'ai une voiture de merde. Donc c'est normal que je galère en soi, mais... Merci Nobby, merci Eliaster, merci beaucoup, merci Rumpsteak. Oh putain, il va me faire chier. Je vais me faire bouffer là, je pense. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Ok. Eh bien. Il n'est pas une seconde derrière, il est juste derrière moi là. Par contre, on a perdu un temps de malade. Ah oui, donc vraiment le top 10. Top 10 inatteignable quoi sur ce jeu en fait. Le RS c'est dur quand même. Soit les IA gèrent très bien le RS, soit les, je sais pas, les IA. Je sais que les IA ont été améliorés dans les batailles. Donc peut-être que c'est ça aussi. Mais genre les IA perdent moins de temps bêtement et tout. À Bahreïn, je me souviens que l'année dernière, si les IA se battaient, c'était fini genre. Okay, on va essayer de garder un petit peu de batterie. Désactive la batterie. Ça vaut le coup de la mettre en off la batterie en vrai ou pas? Parce que genre off c'est quoi? C'est juste tu dépenses pas ou tu recharges plus? Je vais mettre en hotlap. Merde. Off c'est off, tu recharges. On charge beaucoup plus, ok. Non, j'aurais pas dû mettre le... Vous avez rien vu, faut que je mette les dégâts, y'a pas de dégâts, c'est ridicule. C'est les autos tamponneuses, y'a pas de dégâts, c'est ridicule. Faut que je pense à mettre les dégâts après. Oh, c'est galère. Oh, c'est galère pour l'instant là. Le grip il est comment après quelques heures? Bizarre. Bizarre. Moi j'ai plus le DRS. C'est relou. Oh, j'ai le moteur qui surchauffe en plus, j'avais pas vu. Après le grip, je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Je pense qu'il doit être un petit peu... fixe. Non, je dois boxer 8ème tour les gars. Je suis censé boxer 8ème, vous voulez qu'on boxe maintenant? On pré-shot l'undercut de Gasly. C'est une blague, mais attends, mais c'est une blague, j'ai mis le pit limiteur. Attends, à moins que je me suis trompé de bouton. Attends. C'est bien ça, le pit limiteur, non? Ou ça a pas marché? Oui, si. Ok, oh putain. Oh l'enfer. Ah, il y a les flashbacks. Oh my bad, j'ai pas compté les flashbacks. Ok, bon, on va mettre des hards. Placez-vous parfaitement sur la grille, puis un arrêt au stand. De rien. Non, mais non. Mais non! Mais non! Mais 4 secondes 5! Mais c'est rien! Premier pit stop, il est raté! What a disgrace. J'aurais pas dû taper dans la batterie, je suis bête. J'imagine qu'on allait 9 froid du coup. Oh là là, les glaçons. Oh, les 4 glaçons, horrible. Horrible. C'est Asukik. Ah, c'est un peu la même merde là.
Hop là. Je sais pas si ça marche l'Undercut, hein. Je sais pas du tout s'il marche l'Undercut sur ce jeu, les gars. Tout le monde est au stand, ok, vamos. Pourquoi t'as pas mis des médiums? Je sais pas, j'ai m'a dit de faire tant de hard, moi je l'ai suivi. Tour en médium, je sais pas si ça serait passé. Tout le monde met des hards aussi. So your ERS is running a bit low. Look into changing your ERS mode in the MFD for a more conservative burn rate. C'est moi ou je me suis fait baiser? C'est moi ou je me suis fait baiser là, je ressors à 3 secondes 7 de Bottas. Attendez. C'était un gigabat call l'Undercut là. Frère, genre. C'est un enfer là. 4 secondes 5. Ah putain, oui, c'est vrai qu'on a perdu 2 secondes. Bah oui. Oh les pneus, oh les pneus, oh les pneus. Wow! Non, pas touche, non, pas touche, Minouche. Voilà, je suis mort là. Même le top 12, hein. Wow. Même le top 12, on est à la merde là. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense là? Bah nickel. Bah nickel, P15. Heureux. Heureux, heureux, heureux. C'est de remonter. Wow! Ça doit remonter, hein. L'Undercut aurait pu fonctionner. Oui, en vrai, il aurait pu si j'avais payé mon petit top raté. Putain, Hamilton 16ème, je vais me tirer une baille. Fuck pas. Erreur. Vas-y, passe devant, collègue. Okay, so we're leaving our teammate by two. Soit tu passes, soit je passe, mais on va faire les freins. Non, c'est bon. Ok, vamos. Ouais, ça se rattrape la P12, je pense. Mais pas si loin. Vraiment, le moteur, je vous jure, ça me casse la tête. Le moteur de la voiture, je le trouve atroce. Bonne nuit à ceux qui ont dormi.
C'est un enfer, hein. Merci, t'as mis presque une seconde. Mais j'ai plus de batterie, moi. Tu veux que ça se batte? Ah, oh, mais là, je peux pas pouvoir défendre, là. 42%. Tsunoda au stand. Oh, il est en soft. Il reste 8 tours. Off, enfin, ligne droite, ERS. Sur les freinages, quoi. En vrai, est-ce qu'on aurait pas dû prendre une autre voiture que la As? Est-ce qu'on aurait pas dû prendre une autre voiture que cette petite As? Pas pour l'instant, juste Hamilton qui me met la pression. Hein. Je veux pas me doubler et m'emmener avec son DRS là, les loulous. Allez là, oh, les gars, on a une place de la P12. Moi, je vous le dis, je peux y croire. Hein. J'ai pas le DRS, mourir. Oh, la puissance de la batterie. Deux places maintenant. On va essayer de revenir sur les collègues devant. Hülkenberg, il veut pas faire comme Magnussen à me défendre et à m'aider à marquer des points là. D'ailleurs, il est où Hülkenberg? Je me fais fumer là par Hamilton, mon pace. Recharge. Attends, t'es mignon, je recharge, j'étais à 9 dixièmes, là on va pouvoir recharger. J'étais à 2 doigts de plus avoir le DRS, j'allais pas recharger. Hop là, Mamos. Il est P17. Bien gaze. Non. Elle est fun la course en tout cas, hein. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on est sur le summum du divertissement? Je pense en vrai par contre que la difficulté elle est pas trop mal pour moi. Là, hein. Une course de qualité. Ah vraiment, hein. Ouais, l'impression a l'air d'être pire que le précédent qui était déjà pas ouf.
En termes de graphisme. Alors en termes de graphisme, non, honnêtement, il y a bien un truc où faut être honnête, c'est que F1 24 en termes de visuel et de graphisme est incroyable. Pour le coup, le jeu est très très beau. Par contre, en termes de modèle physique du jeu, enfin modèle de conduite quoi, bon, ça repassera. Aïe 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 aïe. Gros, mais comment je fais pour pas spin là? Le graphisme t'es pas à fond, non. J'arrive pas à revenir. Faire doubler par une alpine. Respectez-moi. On a 3 secondes hein. Aïe 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 aïe. Je vais arrêter de voter FC, oui. Ah putain, mais c'est vrai qu'elle a prédit en plus. Pas vous mentir, vous avez oublié hein. Là pour la prédit, bon. Pas que je veux pas, hein, mais il faudrait que je puisse remonter quoi. Genre. Les secteurs, je les vois pas très verts depuis tout à l'heure. Oh la vache. J'avais pas raté mon pit stop, les gars. Le top 12, on l'aurait facile, hein. Les pneus, comment ils surchauffent, j'avais pas vu. 5 degrés d'écart entre les deux. C'est F1 23, alors, qui lui dit? Allez, 2 secondes 3. En vrai, si j'ai juste le DRS sur Hamilton, on peut aller prendre un top 12. Laisse-moi tranquille, toi. Laisse-moi tranquille. Je pense qu'on peut les rattraper. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 2.6 seconds. Moi, je pense qu'on peut le faire en vrai. Comment on peut patiner en 4, ça aussi c'est pas normal. Se faire dépasser par une kick, c'est la honte. Bon, je me suis bien fait doubler par une alpine tout à l'heure. Seconde 6, allez, on est à 6 dixièmes le chat, come on. Allez. Putain. Oh, ils se battent devant. Oh, ils se battent devant, come on. Wow, 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 c'était quoi ça? Okay,
finir dixième. Oh, ça va être chaud, je vais avoir deux tours. Je vais avoir deux tours, les gars. Vraiment, je fais du drift. Le drift, c'est vraiment l'option la plus facile, entre guillemets, pour... Oui. Seconde 4, on va voir assez. Il y aura un patch pour perf le jeu, normalement oui. Je sais pas si c'est le 31 mai par contre. C'est pas la date, mais oui, il y aura un patch perf. Ah, c'est Scolati pour le resub. Ouais, j'ai plus de batterie. Regardez derrière. Genre j'ai pas le DRS là. Genre j'ai pas le DRS. Un tour. Les gars, j'ai un tour pour doubler les deux. Oh, il a pas de batterie. Oh, il a pas de batterie. On est déjà les deux. Un. Game bad. Heureusement, il n'y a pas les dégâts. Heureusement, il n'y a pas les dégâts. Je savais pas s'il allait défendre ou pas. Oh, putain, il a toute la batterie du coup maintenant. Fuck. Voilà, il est toujours là. Oh, les vibreurs. Si j'avais doublé Hamilton, j'aurais été pas mal, mais là, je pense que c'est mort. Hein. Magnussen a fait la même dans la vraie vie. Ah bah si, il y a les dégâts, vous voyez ? Il y a les dégâts. Ouah, mais attendez, la répartition de l'usure des pneus. Mais quoi, attendez. Qu'est-ce que je viens de voir sur les pneus, là? ...31, 32, 28, 19. Ok. C'est une vibe. Une tour de Verstappen. Personne n'est surpris. Personne rigole. Ok, j'ai bien fait de garder ma batterie. Attends, mon freinage. Dommage. Putain! Putain, c'est dur! Vas-y, j'ai le seum, le flop. Non, non, mais le flop de zinzin, je me refais doubler sur la ligne en plus. Bon, déjà, j'ai trois choses. Numéro 1. La physique, déjà, elle est stressante. Moi, ça me stresse. Numéro 2, les bruits de moteur sont atroces. Ou en tout cas, celui du Ferrari est atroce. Numéro 3, les IA, quand même, roulent mieux. Ont moins d'erreurs, etc. Ah, désolé pour les FC Wheel, hein, je vous jure, désolé. Hein. J'ai fait de mon mieux, j'étais trop gaze. Les IA sont pas mauvais, genre les batailles et tout sont stylées, ça se dépasse moins. Mais par contre, faut que je règle pour demain mon pédalier parce que là c'est pas possible, les freinages, je tire tout droit à tous les virages. Norris, c'est qui sur le podium avec Leclerc, ok. Ok.
pas de flashback dans le dernier tour. Non mais là, là mets pas de prédit pour la deuxième course en soi. On s'en bat les couilles. Là c'est juste je teste le jeu. Mais en vrai la As aussi elle est dure. Elle est pas rapide la As. Vu d'ici le jeu est bien, juste trop de train avant. Bah ouais mais il y en a beaucoup beaucoup trop quoi. C'est ça le truc, c'est qu'il y en a pas un tout petit peu trop, c'est juste que la physique elle est vraiment vraiment bizarre. Voilà qui conclut un autre 31-7, j'ai fait 32-9. Et voyons le bon côté des choses. Ça va Alonso, ça vit hein. Course au championnat, alors à très ça vit Alonso hein. Je fais des tests pour le mode car sur YouTube. Est-ce qu'il ressemble au vrai ? Est-ce que ça ressemble au Honda ? Mais déjà c'est chromé le Red Bull, je me souvenais pas qu'il était chromé, je croyais qu'il était blanc. Pas convaincu du... Ça, ça le fait arrêter. Les moteurs, ils ont l'air étouffés, genre vraiment. Les moteurs, ils ont l'air vraiment étouffés. Genre... La Williams, c'est stylé en vrai, j'aurais dû prendre la Williams. La Williams, en onboard, elle a un style de ouf. Avec le nouveau volant et tout. Le moteur, c'est pareil. Oh, le moteur, c'est atroce. En fait, tu sens pas le moteur monter. T'as l'impression que c'est toujours le même bruit. Genre... Ça, c'était la mienne, du coup. Le Honda, il y a... J'ai l'impression que le Honda, il y a un petit truc en vrai. Le Red Bull, ça va, hein. Le Red Bull, en vrai, je trouve ça va. C'est vrai, les rétrogradages, c'est pas ça du tout. McLaren est joli en onboard. Mais... On est d'accord, c'est pas le même bruit. Attendez, attendez, mais je suis pas fou. Attendez, on est d'accord, c'est pas le même bruit entre ça. Et ça. Ah si. Non, on dirait qu'il y a un truc qui... Il y a un petit truc, genre une très légère différence. C'est exactement pareil. Ah ouais? Bon, ça y ressemble en tout cas. Ok. Bon. Au moins, on est devant. On est devant Nico Hülkenberg. Pour avoir le positif, les gars. Ça booste les stats. Allez hop, expérience 36. Aptitude. Bim! Bim! Ok. 46-54. Ok. Choix de l'académie 0%. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait le choix de l'académie. Du coup, bonus de réunion secrète, année avec l'écurie, contrat actuel. Putain, c'est vraiment devenu une expert comptable, hein. C'est incroyable, hein. C'est qui son personnage? C'est Oliver Biermann, pilote de F2 chez Prema. Alors, est-ce que j'ai des thunes pour développer la voiture, là? Je vais remettre les dégâts. Ah, on est de retour. 47 avenue de Monaco. Le jeu est sorti, si vous avez précommandé les... Oh, on a pas reçu l'upgrade, je vais péter mon crâne. Oh là 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 là, je vais péter mon crâne. T'as pas pris Martins. En vrai, je l'avais pris tout à l'heure, mais du coup, j'ai fait avec Biermann. C'est le châssis qui est pas passé. Putain, châssis, Nico, Nico. Fais ton taf, merde, Nico. Sérieux, c'est incroyable, ça. Ok, spécialiste, est-ce que je dois mettre un objectif ou pas? Indisponible. Lorsque les spécialistes ne sont pas disponibles, tous les objectifs qui leur sont spécifiques ne peuvent pas être sélectionnés. Ok. Ah, on en a un nouveau. Ah, on en a des nouveaux. J'ai débloqué les spécialistes. Alors. Bonjour.
Ingénierie en soufflerie. Grâce à son expertise, la soufflerie, le workflow, spécialiste d'ingénierie en soufflerie, vous aidera à réduire le coût et les deals. Ok. Boucler un tour en utilisant au moins deux réglages de monoplace différents. Terminer n'importe quelle séance avec le meilleur tour. Oula. Peut-être prendre le truc des réglages. Ce sera plus simple. Ok. Alors, consultation en bloc propulseur. Terminer une meilleure place que votre partenaire de course. Obtenir la 19e position mieux en qualification. Je pense que je peux faire P19 quand même en vrai. Zéro développement sur la voiture, je te jure. Alors, passer plus de 45 secondes en quatrième. Hein ? Rouler en SLI pendant 25 secondes ou plus en un week-end de course. Mais c'est nul les challenges là. Rouler 25 secondes, oui, bon, on va aller faire les 25 secondes. Gagner 5 points en championnat, perfectionner un programme d'entraînement. Hop, voilà. Ok, bon, j'ai fait tous mes spécialistes. Enfin, tous. Ceux qui sont dispo, quoi. Vamos. Impeccable. Les dégâts. Ah oui, je vais mettre les dégâts, bien vu. Je regrette de t'annoncer qu'on a connu un problème majeur sur la ligne de production. Vas-y, on est fatigué, on est fatigué. On n'a pas d'upgrade. On a la pire voiture, on n'a pas d'upgrade. À un moment, c'est bon. C'est où les dégâts ? Ah, je suis en simulation ? No way. No way ! Vu les crashs que j'ai eu à Bahreïn, je peux pas être en simulation, c'est impossible. C'est impossible que je sois en simulation, frère. Je sais plus c'était qui que j'ai satellisé. L'Alpine ou je sais pas quoi, là. On est d'accord que... je sais plus si c'était une Alpine ou quoi, là. Dans l'ensemble, le jeu, il est comment? Je pense qu'à chaque fois que j'arrive sur cette page, sur ce menu, je vais rigoler. Ça va être un air nerveux à chaque fois, hein, mais... pas d'upgrade. C'est ici. Ce gra... on n'a pas d'upgrade. On est si loin. On est si loin de tout le reste. Je vous jure, c'est Call of Duty, là. Je vous jure, là, c'est les Avengers. Ok. Commence à monter en termes de performance. Commence à être pas mal. Ok, vas-y, let's go, on va aller faire Jedha. Hein. On va aller rouler à Jedha un petit peu, là. Hein. Regarde la gueule de du clavier. Regarde la gueule du clavier et de la souris. Ah putain, j'avais pas à lire. T'as refait tout le derrière de l'autre voiture. Et j'ai pas eu de dégâts. Hein. Il a fallu que je me tape un mur en première pour avoir un aileron cassé. Hein. C'est terrible. Hein. Une carrière Martin chez Alpine, en vrai, à moins que ce soit pour YouTube. Mais en fait, je sais pas. Le truc, c'est que vu que je vais en faire une sur YouTube, le truc, c'est qu'il va y avoir une carrière sur YouTube dans les prochains jours. Dans les prochaines semaines, quoi. Est-ce que... je fais une carrière avec mon propre perso sur YouTube et sur Twitch, genre je fais un perso qui existe, enfin un vrai pilote. Est-ce que je fais deux vrais pilotes? Je sais pas. I need to think, you know. Moi sur YouTube j'avais envie de faire mon propre perso. Sur YouTube j'avais envie de faire un perso genre le mien, tu vois, et sur Twitch faire un vrai pilote. De vrai c'est mieux. Ah ouais? Carrière Martin chez Art, tu gagnes le titre et tu passes en Formule 1. Ouais. Je sais pas. Hein. On veut Martin. Non, ouais, Martin, ça pourrait le faire sur Twitch, mais. Non, on est parti avec Bierman, du coup, là. Tous Victor, tous Martin. Bon, il a déjà roulé normalement à Jedha, le petit Bierman. Ça devrait aller. Je vais voir en vrai. Faut prendre les nouveautés. Ouais, on peut. Très bien. Un petit peu optimiste peut-être sur le changement de direction. Oh, comment on peut monter sur tous les vibreurs maintenant? Quel cheat code! Quel cheat code! Avant, tu touchais un vibreur dans le secteur 1. À Jedha, t'étais mort. C'était fini. Ah, par contre, on peut pas tourner ou. Ah, ouais, non, mais frère. Oh, faut que ça tourne aussi. Mais frère, genre... je vais pas full lock dans une ligne droite quand même. Bizarre là. La voiture elle est fatiguée.
Putain, mais... Ça me stresse, en ligne droite, tu mets un tout petit à-coup, la voiture, elle fait un giga-mouvement. Regardez, regardez bien, je vais mettre un tout petit coup de volant. Merde, putain, je suis trop con. Genre... Je sais pas, c'est bizarre. J'arrive pas à l'expliquer, en fait. J'arrive pas à l'expliquer avec des mots. Bizarre. Terrible. Trop réactif. Ouais, un petit peu trop réactif. Ça fait deux fois, hein. Deux fois que je me tape le même mur, hein. On dirait la POV d'un joueur à la manette à cause de la physique. De ouf. Mais même en termes de ressenti au volant, j'ai l'impression que je joue à la manette, genre, du coup. Je peux pas passer plus vite, sinon je passe pas le virage. Oh, y'a un drapeau jaune. Ok. Le big gameplay est mieux que la bêta. Bon, il est similaire, hein. C'est moins pire, je pense, mais... Ma physique, ça reste la même, le même débat, hein. Y'a que moi qui aime pouvoir monter sur les vibreurs. Bah non, normalement t'es pas censé pouvoir. Dans le secteur 1 à Jeddah, faut jamais tu montes sur les vibreurs. Je vais le perfect cette fois. Je vais le perfect le tour. Allez. Nickel. Dire qu'elle a des ressorts sur la gauche et la droite qui la retiennent en ligne droite. Exact. Style est le perfect. Non, il y a un style, hein. Il y a un truc. Je peux voir mes spécialistes là, ils sont où? Je peux pas voir mes objectifs de spécialiste. Ah non. C'est nul ça, que je puisse pas avoir les défis de... Que je puisse pas avoir les défis du spécialiste pendant la séance. Ils ont touché les setups de frein de base, c'est relou. Alors, les setups ont été modifiés aussi avec le engine braking, l'engine brake maintenant. Vibreur, revêtement, échappatoire, ça change chaque année partout. IRL, c'est un détail de puriste. Ouais, après, bon, ils peuvent pas non plus, ce que je disais dans une nouvelle vidéo, ils peuvent pas mettre à jour chaque année les bandeaux, etc., tu vois. Déjà parce qu'il y en a qu'on peut pas mettre dans le jeu. Il y a certains bandeaux qu'on peut pas mettre dans le jeu, donc bon bah ça fout un peu la merde. Et de deux, bon bah comme tu le dis, ça change tout le temps. Donc en vrai, on va pas aller chercher non plus les petits détails comme ça. Mais pause pour les spécialistes. Ah oui, objectif. Boucler deux tours, hein, réglage monoplace différent. Ok. Rouler pendant 25 secondes. En roue libre. Ah, en roue libre. 19 là. Attends. C'est 25 secondes d'affilée ou... Ah, je suis à combien là? Je suis à combien en roue libre là? Attendez, mais sur le week-end... Marqué, c'est dommage. Ça aurait été bien d'avoir un compteur. Que je sache à peu près je suis à combien là. Je sais pas, 25 secondes là. Pas que tu sois en neutre. Non, non, la roue libre c'est juste ne pas tuer l'axel. Oui.
Là, ça fait pas 25 secondes encore. Ah si, objectif rempli. Vous voyez pas, il y a ma caméra, mais... m'a dit objectif rempli, c'est bon. Vamos. En vrai, c'est cool ces petits challenges. Les nouveautés du mode car sont sympas. Putain, en fait, il faudrait juste qu'il y ait une bonne physique. S'il y avait une bonne physique, le jeu serait trop bien. Check ton ERS. Merde. Oh putain, j'ai mis mode dépassement, j'avais pas vu. Oh, oh le bouffe. Oh le bouffe de service. Oh, je vais faire de la récup dans le secteur, hein, c'est pas grave. Putain. Essayez de te satelliser pour voir si les dégâts marchent. Wachacha, 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 wachacha. Wala roue, wala roue, wah, 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 wah. Oh bordel. Bon, ça marche. Les dégâts, si jamais les dégâts fonctionnent. Les dégâts fonctionnent. Nickel. Nickel, nickel. C'est un style. C'est en vrai. Comment on fait les mini. Oula. En vrai, il y a un petit style. En vrai, écoutez. Premier stream F1-23. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est. Attendez, comment on fait pour changer ça? Hop. Oh la vache. Merde. C'est entré. Oh, le mode photo qui est bugué. Oh là là là, terrible. Terrible, terrible, terrible. Retourne arrière. F1-24, pardon, oui, F1-24. J'ai pas l'habitude encore. Bon, allez, go faire le programme, là. Merci, Max. Merci pour les resubs, tout le monde. Merci beaucoup. Et la voiture, j'ai l'impression que la voiture, elle s'arrête toute seule en ligne droite. C'est stressant de fou. Ok, putain, l'URS j'ai encore mal, hein. L'URS j'ai encore très très mal, les gars. Wow! Dixième, là, je les aurais pas, je pense. Allez, on va se concentrer un petit peu. À Jeddah, je pense que le RS, ça va être une galère. Il y a tellement de lignes droites. Putain, mais tout à l'heure, je freine trop tôt. Là, je freine trop tard. Ah, le frein moteur, ah, je l'ai pas réglé encore. J'ai pas mis le 7. Je crois qu'on peut pas le régler de la voiture. C'est dans le réglage. Enfin, je le change. Oui. Atroce, ça a l'air relou la gestion de l'ERS. Oh, en vrai non, c'est juste un coup de main à reprendre, mais faut juste trouver le bon fonctionnement et l'habitude, quoi. Ah, pour l'instant je l'ai pas encore. Genre, je galère en fait, si des fois sur la recharge, je me rends pas compte à quelle vitesse on recharge et on déploie. Genre là, si je reste en intermédiaire pendant toute la course, en vrai c'est fiable, genre c'est stable, non? Si je passe jamais le mode dépassement ou le mode hot lap. Ça devrait aller normalement, non? Bonsoir à Yod, ce qui arrive. Hello, hello.
Attends, j'ai pas activé le DRS. On va rester comme ça là. Elle se vide au bout de 4 tours. Ah non, je pense pas normalement. On sait pas, personne n'a acheté le jeu. En vrai, il y en a qui l'ont déjà là. Il y en a qui ont précommandé. Déjà, j'ai vu dans ma liste d'amis, il y en a qui ont déjà plus de 25 heures de jeu. J'étais en mode I. On a le code que depuis un week-end, les gars. Genre, on l'a depuis vendredi dernier, quoi, le jeu. Genre. Oui. Ah, moi aussi. On peut encore précommander, je pense pas, du coup, vu qu'il est sorti. Non, du coup, tu vois, si tu restes en intermédiaire, là, depuis tout à l'heure, je suis en intermédiaire, la batterie, elle se remet à fond. Donc, en vrai de vrai, t'as pas besoin de mettre en neutre. Bon, bah, en tout cas, pas à Jeddah, mais... T'as pas besoin de désactiver le RS pour la recharger. Sauf si vraiment c'est la crise. Et après tu mets le mode chrono. Je pense que le mode chrono en deux tours c'est mort. Putain, il y a une voiture derrière moi. J'ai zéro train avant. Le son il est atroce moi je trouve. Oh là, on doublé je pense. Oh mais non! Bon voilà, ils sont en simulation les dégâts. Il m'a à peine touché, il m'a défi, il m'a détruit le fond plat. Ah, je pense beaucoup de trucs ont l'air atroces. Ouais, je sais pas. De toute façon, ouais, je pense. Bon, incapable de freiner, tu vois. Je vous ferai une vidéo, je pense, un peu bilan, genre au bout d'une semaine de jeu, histoire d'avoir testé plusieurs modes. D'avoir tout réglé, parce que là c'est pareil, genre là je teste le jeu mais mon pédalier il est pas réglé. J'ai pas fait les overlays, enfin le son il est réglé à la va-vite. Une fois que j'aurai bien tout réglé et tout testé, je pense que je pourrais vous faire une vidéo un petit peu sur mon avis du jeu. C'est normal que la physique elle soit comme ça, c'est un jeu qui se veut développer sur manette. Ah, pas forcément de base, hein. Pas que, hein. C'est un sim arcade donc il est censé normalement aussi être étudié pour les volants, pas que manette. Hein. J'avoue que j'ai hâte de voir le ressenti des joueurs manette. Parce que ça se trouve à la manette, le jeu il est incroyable. Hein. Ou il est exceptionnel. Faut que je désactive le engine braking. Cette année, il va falloir que le temps de setup pour toi de la relation est vraiment influé par rapport à ton style de pilotage. Ah ouais? Oh, j'en ferai pas. Hein. Spoiler. Let's go! Je suis devant Ricardo. Spoiler, j'en ferai pas à mon avis. Hein, donc, je suis à la manette et c'est vraiment cool. Ah ouais? La manette, on m'a dit que c'était justement bien dans les virages lents. Je suis à la manette et c'est bien. Ah, terrible. Ils nous ont sacrifié pour vous. Ils nous ont sacrifié les joueurs, volants pour les joueurs manettes. Aïe, 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 aïe. Les allées ont l'air d'être bien pour les manettes. Let's go. Ah, les joueurs manettes. Bande de bâtards, vous êtes bien. Pas nous. Pas nous, pas nous, pas nous. Ok. Je vais simuler les practices. C'est incroyable, mais croyez-moi. Je vais simuler les practices et il faut que je désactive le engine brake. Ah, mamacita. Putain, j'avais pas vu la souris et le clavier. Oh, le clavier 1825. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Simuler. Allez, vous essayez rapide. Hop là. Tu vas au GP du Canada. Putain, non, les gars, à un moment, je peux pas tous les faire. Déjà que j'ai fait. Là, j'ai fait Monaco, je fais Spa et Monza. On a déjà d'autres events. Déjà, ce week-end, je suis à Paris. La semaine prochaine, je suis à Monaco. Encore. Ensuite, il y a Le Mans. Je dois aller à Spa pour les 24. On peut pas tout faire. Je peux pas faire tous les grands prix de F1 malheureusement. Non, plus le temps là. Yogenox, ça va et toi? Tu vas au Nurb? Non, je vais pas au Nurb malheureusement. Je
peux pas. Je pouvais pas y aller. J'aurais bien aimé. T'as vu Zidane pour Le Mans? Putain, les gars, je vais peut-être croiser Zizou. Enfin, je l'ai déjà croisé, Zizou, mais au Mans, là. Oh là 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 là. ZZ. Vous êtes ouf à la manette, c'est une horreur. La voiture, elle pivote de fou, c'est pareil, ça plonge trop à la corde. Ah! Ah! Coulombe de Zizou. Terrible. Terrible, terrible. Un peu de galère à tourner de temps en temps avec la manette. Perso, je sais pas trop pourquoi. Je trouve le jeu mal affreux comparé à F23. Le jeu est une merde à la manette. Ah bah. Hein. Les gars, vous avez pas les mêmes avis, faut vous mettre d'accord. Donc, je suis encore à Monaco, mon pauvre. Ah non, je me plains pas, moi, je suis bien à Monaco. Hein. Franchement, les gars, tous les jours, je vais à Monaco. Mais bon, c'est juste que j'y retourne, quoi. Je vous vois venir déjà, mais t'es encore absent. Oui. Oui, 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 oui. Yo, y'a de ce qui arrive. Il y a déjà des setups de dispo. Il y en a quelques-uns, ouais, de disponibles. Ok, on prend en expérience. Par contre, ça monte pas beaucoup l'expérience, hein. Ça monte pas des masses pour l'instant, l'XP. Les gens qui n'aiment pas la manette sont des merguez. sont des merguez. Alors. Normalement, je peux faire un upgrade, là. Je peux faire un upgrade à héros, du coup. Ah, je peux pas. Hülkenberg, il en a fait une aussi. Vas-y, j'ai fait une upgrade. Hülkenberg, il a fait une upgrade aéro. Ça, c'est stylé en vrai que les IA, ils développent. Au moins, t'es plus tout seul à faire le truc. Bienvenue à Jeddah, l'un des circuits. Demain, c'est Gillette. Oh là là, demain, les gars, open lobby. Demain, on va tester. Putain, oh, mes parents, qu'est-ce qu'ils veulent. Oui. Demain, on va tester le multi. On va faire un open lobby, ça va être terrifiant. Ah oui, c'est pour ça. Bonne nuit, Chacal. Bye bye. Engine braking. Oui. On va l'enlever, le engine braking. Pas de panique. Frein moteur. Zero. Je vais rajouter un peu d'aéro quand même, parce que bon. Bien mignon, mais. Hop. Ah, on va enlever de l'essence aussi, d'ailleurs. Et on y va. Let's go. Beaucoup ont préco le jeu. Je sais pas, en vrai. Demain, lobby, ouais, Chacal. Pourquoi mettre le frein moteur à zéro? Parce qu'en fait, t'as une sensation bizarre au moment où tu lâches le frein, où ça refraine encore. J'aime pas pour l'instant. Alors. Est-ce que vous pensez que je passe en Q2 ou pas cette fois? Un boss. Ouais, m'ajoute sur le jeu. Changer de compte. Vas-y, on va tomber solo, je le fais. Merde. On va tomber solo, je vais le faire. On est beaucoup trop tôt. Ok, bon, le secteur 1 est un vomir. Le secteur 1 est à vomir. Catastrophe. Six fois que je me tape ce mur. Bon, le tour pas terrible. Okay, j'aurais pu mettre plus de dépassement. J'ai pas trop voulu consommer le dépassement, mais j'aurais pu en mettre plus. Bon, le tour, on a facile du temps à aller chercher. J'ai une pub du coup. Pourquoi le frein moteur à zéro? Parce qu'en fait, ça fait l'utilité du frein moteur en soi. Genre, ça freine la voiture via le moteur. Mais du coup, quand je lâche la pédale de frein, ça me fait une sensation bizarre. Et je sais pas encore comment on le règle, comment on l'utilise. Donc, autant le désactiver. Au moins, tranquille. Et voilà, les écarts, ils font mal, hein.
Là, les écarts chez As, il y a du challenge, hein. C'est-à-dire que là, j'ai 2 secondes à aller chercher, quoi. Ah ouais, 2 secondes, c'est pas mal, quand même, hein. C'est pas mal. Les dégâts ont l'air aléatoires, hein. J'ai l'impression que la hitbox, elle est pas encore terrible. Merci Thibaut pour le resub. Bon, après, en vrai, là, le tour était cata, hein. Secteur 1 et tout, je pense qu'il y a 1 seconde 5 à gagner, déjà. Hop là. Vas-y, je vais essayer de focus le chat. Je vais essayer de focus. L'IA, il est à 90%. J'ai mis 90 pour commencer, pour tester. Je suis un connard. Putain, mais je pensais l'avoir activé. Je l'ai pas activé encore. Chaque fois, j'oublie d'activer le DRS. Voilà. Ça fait 2 fois, je l'oublie. Je pensais qu'il y avait un petit peu plus en secteur 1, hein, mais pourquoi pas. On va être dernier, hein. On va être dernier, le chat, hein. Vous le savez, hein. J'ai choke de zinzin mon dernier virage. Putain, j'ai choke. Je suis dernier, sa mère, c'est trop dur. Putain, j'ai le seum, j'étais pas dé... Enfin si, j'étais dégueu, mais... Je suis dernier de beaucoup. Et voilà qui met fin aux qualifications. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre... Oh, j'ai 4 dixièmes. Oh, il n'y avait pas 4 dixièmes dans le dernier virage, hein. J'aurais pu être P19 devant Ricardo, mais là il n'y avait pas 4 dixièmes. Je pense que j'aurais pas dû enlever de l'appui. La voiture elle tourne pas. Elle y quoi? Éliminé. T'es trop doux avec la voiture, conduit comme Verstappen. Jette là, il met des coups de volant. Putain, c'est vrai que ça aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Hein. Vous savez qui c'est qui a développé la physique d'F125? F125, F124. Vous savez qui c'est qui a développé la physique de F124? Qui c'est qui est allé faire du simu et faire joujou avec les développeurs? Leak, non, j'ai pas d'infos sur F125. C'est Max. Bizarre. Oh frère, le style de pilotage d'enculé qu'il a. Est-ce que t'as mis Bogetta Veneta? Est-ce que chef comme... Oui, Lucas. Oui, Lucas. Vas-y, 18 tours, c'est parti. T'avais moins 300 en secteur 1, moins 180 en secteur 2, c'est Sargent qui était 16e. Bah ouais, mais... Écoute, le secteur 3 n'a pas suffi. Le secteur 3 n'a pas fait la différence, comme tu peux le voir. Donc, putain, Max, on le déteste. Il nous a pondu une physique de merde, là. Parce que... Eh, hey, vas-y, quel enfer. Quel flemax on the flax. Je t'ai posé la question sans rapport avec le fait que Max aime bien le place avec beaucoup de grip à l'avant. Bah, en vrai, c'est possible, j'en sais rien. En vrai, c'est possible, mais c'est horrible si c'est comme ça. Si c'est comme ça. Pour l'instant, en vrai, point négatif, le handling, l'audio. Point positif, les graphismes. Bonjour et bienvenue à les nouveautés, tout ce qui est nouveau, entre guillemets, dans le jeu. Ça, c'est cool, en vrai. De la Mecque est l'un des plus grands ports de la région. Elle devient également aujourd'hui... Je pardonne à Pérez, Albon et Gasti, c'est un enfer à conduire. Pérez bizarre.
Oh là 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 là. Moi j'aurais préféré une conduite à la Vettel, tu sais, genre avec une voiture un peu survireuse, pardon, ou un truc comme ça, tu vois. Mais non. Mais non. Quelles seront les écuries capables d'exploiter les données accumulées lors des séances d'essais libres. Comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs peuvent se payer très cher. Et passe au Paul Del Paso. La sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Quoi ? Il parle. Ok. Il y a un mode histoire. Non, il n'y a pas de mode histoire. Il n'y a que le mode carrière. Accompagné de Lando Norris qui s'élance de la deuxième place. Norris, deuxième encore. Again. Leclerc, il est bien fait. Alonso, ça va. Russell, ouais. Joe, ouais, de fou. Perez, ça va. Stroll, ouais. Piastri, bof. Albon, ouais. Hamilton, il a une barbe de bizarre. Sargent, ouais. Mais j'ai l'impression que là, ils ont pas changé les visages. Ah si, Ricardo, il est nouveau. Oh, toi. Police. Je te vois là. Toujours heureux d'accueillir en cabine de commentaires Jacques Villeneuve. Il y a tellement à dire sur Max Verstappen. Sargent, il a le menton carré. En vrai, il l'a dans la vraie vie. Hein. J'ai des photos de Sargent ce week-end, les gars. Il a un menton. Quel beau, c'est un diffuseur de Formule 1. Il va aussi falloir assurer aujourd'hui. Logan, Boubou, t'es mignon, mais... C'est plus difficile. Pas vrai, Julien ? Gagner oui une fois, c'est formidable. Mais le refaire, après, vous savez, il faut croire en soi. Et la confiance, c'est assez... Et la confiance par la victoire est absolument essentielle pour aller de l'avant lors des courses suivantes. Logan, il a un menton, Zbi. On est d'accord que le micro de Jacques, il pue sa mère, là. Hein. J'osais pas le dire, mais... Regardez, je filmais... Bizarre, mais je filmais Logan. Merde, vous avez vu ou pas ? Attendez. Je vais m'amuser à filmer Logan dans l'hospitalité. En train de faire son warm-up. Il a vraiment un micro de merde, Jacques. Imagine, Madère. Tu veux pas me laisser tranquille, Lucas ? Allez, let's go. Soft medium, ça part. On fait pas de prédit cette fois, les gars. Et oh, jamais le bruit du moteur, il fait ça un chasse. Hein. Là, j'ai l'impression d'être dans un rassaut, là. Pas du tout ça. Hein. Bon, bref, allez. Je pars dernier. Objectif finir dans le top 14. Je parle pas de rugby. Hein. Ça veut dire Verstappen, il conduit vraiment comme ça ? Partons du principe que c'est une physique Verstappen. C'est-à-dire que Verstappen, il arrive dans les virages, il fait ça, il arrive et bim, jette la voiture comme ça là. Non, quel enfer. Non, c'est un crackhead, hein. Vraiment, il est sous. Il est sous coke Verstappen quand il conduit. Hein. Chauffe bien les pneus, gère bien la dégradation, hydrofocus. Oui, papa. C'est vrai que ça aussi, putain, il va falloir que je me concentre maintenant parce que. Ils ont développé un nouveau système de dégradation des pneus avec les températures. Donc si tu surchauffes un pneu, après il dégrade plus. S'il dégrade plus, la température elle est baisée. Donc c'est à dire que si je fais une connerie pendant le live parce que je lis un message ou quoi, ça peut me niquer tout mon stint. Ah non mais en vrai oui, Verstappen il conduit comme ça. Hein. Bon après peut-être pas autant que le jeu le demande, mais il conduit de façon violente. Genre il met vraiment des grands à-coups dans le train avant. Ouais, ça va quoi Ravus ? Merci les yeux pour le resub. Verstappen utilise de l'ultra sur virage mentionné par Albon 1 mm et ça ajuste à son à fond. Oui, j'avoue en plus, oui, c'est vrai ça. Attends, mais oui, je dis de la merde. Verstappen, du coup, c'est pas du tout du sous-virage qu'il a. C'est du sur-virage de zinzin. Quoi, il est sur Spotify là. Mais oui, on doit vraiment. Son style. Non, Verstappen, il roule pas comme ça en plus, Verstappen. Albon, il en avait parlé dans un podcast en disant justement que... Genre lui, c'était ultra sensible et que... Après, il avait pas dit... Je me souviens pas s'il avait dit dans quel sens, dans le survirage ou le sous-virage. Mais... Pourquoi j'ai pris Bierman et pas plutôt créer un pilote ? Bon, je me suis dit, autant prendre un pilote qui existe déjà. Mais ça, vous voyez, par exemple... Les Bernes sont pas comme ça, hein. Mais il n'y a rien qui va là. Ça met 30 ans à monter en régime. Le régime moteur. Il n'y a rien qui va sur les burns.
Il y a rien qui va. Ok, let's go. Ah, par contre, ils ont mis les bip bip pour le start. Ok. Ok, vamos, P17. Oh, oh, oh. Tout joue à la batterie, c'est là. Tout joue à la batterie. Todo el juego a la batterie. Oh. Oh, comment je souviens. Moi je vous le dis, je vais faire des setups over downforce. Hein. C'est quoi le logo bleu au-dessus du Hülkenberg? C'est pour nous indiquer que c'est notre rival. C'est le rival de l'équipe. En gros, les différents ronds de couleurs, ce sera tes rivaux. T'as 3 rivaux dans le mode carrière. Ça va l'excité que je suis en train de me prendre là? Me dérange pas, Gasly? Je consomme trop de RS par contre. Je consomme beaucoup trop de RS. Je vais mapper, je pense, des boutons pour le RS directement. Parce que si à chaque fois faut se balader dans le menu pour descendre, c'est l'enfer. Hein. Oui. Tiens, ma mosse. La HUD, elle est vraiment moche. En bas, ouais. Le truc des batteries, c'est atroce. Oh, ça tombe pas. Pitié. Je pense, en vrai, je vais juste baisser la sensibilité de mon volant. Comme ça, si je mets des petits coups de volant, ça mettra des grands coups dans le jeu. Oh, il y a le DRS au premier tour. Big brain. Genre tu modifies, tu désynchronises la rotation entre ton volant et ton jeu. Comme ça, tu mets un tout petit coup de volant et ça fait tout bouger dans le jeu. Pas convaincu de ça. Donc, ça a testé moi je pense. Ouais, non, je passe au Luca. Hop là, demain j'ai un truc à te faire test. Oh, demain je suis pas dispo. Je sais pas ce que c'est, mais. Tout ce que j'ai à faire demain, je pense pas. Nuisible, ça prend 30 secondes. Vas-y, bah on va. C'est galère à conduire. Je pense que le setup que j'ai mis n'aide pas non plus. Hein. Le setup avec peu d'appui, malheureusement, pas convaincu du call que j'ai fait là. On va peut-être dû mettre un setup de base. Parce que là, c'est pas possible. Hein. Par contre, c'est ouf comment le top 10 sur le jeu est loin, sa mère. Et genre, vraiment, les 10 autres derrière, après, c'est un DRS. Regardez la minimap. Vraiment, t'as le top 8 ensemble. Et après, t'as genre les. T'en as 15 derrière qui suivent. Enfin, j'abuse du coup 15-10, mais. Tu peux augmenter l'appui au stand. Ouais, mais ça va un peu dérégler la voiture. Et slash, c'est pas réellement juste l'aileron qui gêne.
les suspensions, etc., qui doivent être mal réglées. Voilà la batterie. Oups. 16, 16, 14, 11. Putain, j'ai des pneus à droite qui surchauffent. J'ai des pneus à droite qui surchauffent. Mais quelle enfer. Tac. Nickel. Bizarre. Oh wesh. Oh wesh. Wow. Wow. Oh bordel de merde. Oh purée de pommes de terre. Wesh. Oh la vache. Oh le backflip. Oh Pierre Gasly. Ça c'est du screen qui screen, ça vous voyez? Avec ça on fait les journaux, ça. Là avec ça, regardez, voilà, Bruno Fama en sueur. Ouais, je suis où là? Oh, je suis dans la voiture, attendez. Oh, Bruno Fama en sueur là, hein, vraiment. Hein. La voiture elle a la perpendiculaire. Y a rien qui va. Nickel. Non, franchement, Eh, c'est Pierre Gasly. R Gasly, lol. Pardon. Après, bah nickel, hein. Je fais ma petite collecte de screen drôle. Allez hop, en Y. Par contre, attendez, parce que je crois que je peux pas remettre de flashback. Ah si, c'est bon, je peux en remettre un. Je l'ai tassé comme un bâtard. Hein. Je l'ai vraiment tassé comme un bâtard. Hein. J'ai vraiment fait une Pérez. Allez, c'est bon. On repart. Vamos. Vous avez rien vu, hein? Non, vous avez rien vu le chat. C'est bon. Le pneu, again. On a changé la trage. Mamacita. Bah pourquoi? Pourquoi ça fait ça là? On est où là? 108 à la droite, putain, pitié. On va essayer d'en rattraper, il reste 12 tours. Hop, petite trajectoire Bianca Bustamante.
Il est comment le feeling sur le 24? Bizarre. En fait, j'ai pas envie de dire qu'il est mauvais, honnêtement. Mais il est juste très, très... Regarde comment elle regrippe direct. Et il est très, très différent, quoi. Genre, il est pas naturel, en tout cas. Pas du tout naturel. Après, les pneus, pour le coup, c'est bien fait. Ils ont bien retravaillé les pneus. Parce que dès que tu surchauffes, le pneu, il s'use plus, etc. Donc, c'est une spirale infernale. Ça, rien à dire. Juste c'est relou parce que bah du coup tu peux pas l'exploiter vu que la physique elle est à chier genre c'est un peu chiant quoi. T'as pas pété l'aileron? Ah non 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 non, l'aileron il est nickel hein. Je te confirme que ça tourne pas. Mais l'aileron il est pas cassé, ni la voiture, ni rien du tout hein. Juste ça tourne pas quoi. On peut couper le RS, oui oui tu peux couper le RS. Je préfère le 23 ou le 24. Bah les gars, c'est ma première soirée. C'est ma deuxième course sur le 24, je peux pas vous dire. Demain déjà on va tester le multi, on verra bien ce que ça donne. Le multi ça va être un peu quitte ou double comme on dit. Oh la vache. Voilà, en vrai je pense que c'est le setup hein. Je pense honnêtement que c'est le setup sans appui qui ruine tout. Parce que de base, t'es pas censé... T'es pas censé avoir un sous-virage comme ça de base. Clairement, le setup que j'ai mis est pas bon. Padam, padam, le No Man's Land. Tranquille. Alors, j'ai envie de tenter du coup l'undercut en espérant que je me fasse pas... Mais on va tenter l'undercut si le pit stop est pas raté. On va tester ça tout de suite. Faut rappeler que t'as la pire voiture de la grille. Non mais oui c'est pour ça aussi. Hein. Attends quoi? Charge de carburant actuelle 22,63, 3 tours restants. Maintenir la charge de carburant au-dessus de 16. Je vais passer au stand, ça va l'aider. Ah j'ai un objectif genre en mode faut pas que je consomme trop d'essence. Non mais quoi? J'étais à combien là? Fais gaffe à la console de carbu, ouais je viens de voir. J'étais à combien là vraiment sur l'essence, sur le la speed? Ok bon Mamos. Aïe 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 aïe, sacré jeu hein. Ok, il y en a d'autres qu'on boxe devant. Moi, je mets des médiums. Allez, un bon pit stop. Ok, we had an issue removing the left rear wheel. I know it's not ideal, but let's try and put it behind us and finish the race strong. Up to speed now, let's get some heat into those tires. Ok, les gars, c'est pas... C'est pas grave. C'est pas grave, ouais. De toute façon, j'avais un peu d'avance, donc c'est cool en vrai. Ça va rajouter un peu de piquant dans ma course, c'est sympa. J'en avais besoin. On est sur la Formule Manager, vous savez comment. Mais le truc de l'essence, il arrive au pire moment parce que c'est normalement c'est le moment où j'attaque. Et là, il arrive pile au moment où genre il me demande d'économiser de l'essence. Oi, 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 oi. Terrible. Terrible. Il va être sympa. Oh, je disais le chat, pardon. Il va être sympa ce mode carrière. Ah là, chiasse, ouais, il va être compliqué là. Hein. Il va être un peu compliqué. Non mais cette nuit je vais tout régler. Cette nuit tout sera réglé. Comme ça demain on repasse sur un mode carrière. Enfin non pas demain du coup mais jeudi. Demain on fait du multi. Jeudi on repasse sur un mode carrière classique. Bene bene. Bene bene. Bene bene. C'est comment avec le nouveau réglage de l'aileron? Le nouveau réglage de l'aileron. L'aileron il a pas changé. Oh non on ressort derrière Sargent.
Logan, je t'adore, mais... Non, je ressors devant. Je suis derrière Tsunoda. Ah non, je ressors derrière Tsunoda, je suis dernier. Oh bah nickel. Vous vous souvenez quand je disais que j'allais faire P14? LOL. Oh. Absolument aucun grip. Non. Oh, ça va. Je suis à 13% à droite. 10 et 13%. Oh, le RPA, c'est très bien réalisé. Oh là là. Le RPA, c'est très très bien fait. Hein. L'équipier au stand. Il me reste 1,1 tour et je dois pas brûler plus de 2 litres. Il y a des pilotes dans les stands. Je surveille un peu l'essence au mon niveau. Je pourrais pas tenir. Je prends un secteur et il faudrait que je tienne. Putain, je vais rater l'objectif. Ça fait quoi si je rate l'objectif du coup? Je vais rater l'objectif de l'essence là. Casse les couilles ce virage. Tu perds en points. Ah ouais? Comment tu vas te virer? Ah, c'est mort. Il me reste encore un secteur à faire et j'ai 0,5 à pas perdre. Moi bien, si j'y arrive c'est exceptionnel hein. J'avais pas vu qu'il y avait une Alpine derrière, bonheur. Non, échec, j'ai raté. Putain, j'ai raté pour rien du tout. Je me bats pour une P16, j'ai l'impression d'être Kevin Magnussen. Pitié. L'objectif, vous le voyez pas parce qu'il est derrière ma cam. Faut que je refasse les scènes pour demain. Ok. Là ça marche là. Là les dégâts au moins ça marche. C'est pas comme un Bahrain. On est tranquille. Vas-y Nathaniel, bonne soirée. La grosse barre rouge à gauche de l'ERS, c'est la recharge en fait que tu peux avoir sur un tour. Sur un tour, ton ERS, tu peux recharger de la batterie, mais t'es limité. Tu peux pas recharger illimité. Donc ta barre rouge, c'est ta recharge que t'as par tour. Une fois qu'elle est pleine, tu peux plus recharger de batterie sur un tour. Les IA n'ont plus de panne mécanique. Alors on m'a dit apparemment qu'il y avait plus les pannes mécaniques. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas d'où elle sort cette rumeur, mais apparemment. Il n'y a plus les casse-moteurs et compagnie. Les IA font des erreurs. Ouais, les IA peuvent toujours partir en tête à queue ou quoi, par contre. Si, il y a encore les pannes. Ok, ouais. Les gens qui m'ont DM ça, crois-moi qu'elles le sont là. Ah ouais? C'est nul si c'est ça. Non, moi je crois qu'elles y sont encore, justement.
Mais le fun du stream alors, hein, le running gag du CM de la Hydro TV qui tombe en morceaux s'il n'y a plus de casse-moteur. C'est horrible de rouler comme ça, j'ai l'impression de rouler un kart. J'ai l'impression de rouler un kart. Mettre des grands coups de volant comme ça. Insupportable. La barre jaune et la barre verte, c'est quoi? Alors la verte, c'est ce que tu dépenses sur un tour du coup. Donc chaque tour, ça se remet à zéro. Et la barre jaune, c'est la batterie totale. C'est visuellement le numéro que t'as au milieu en haut. Wide là. On avait un tri-wide. Oh la honte. Vas-y. Je me fais humilier. Non, c'est parce que je suis fatigué, les gars. J'ai fait 8 heures de transport aujourd'hui. J'ai couru pour avoir mon train. Je suis fatigué. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de me remettre en question. De parler un petit peu avec l'équipe de la data là. J'ai besoin de travailler un peu sur le setup pour demain. Aïe. Ouah, attendez, vous avez vu la gueule du pneu à gauche? Hein? Évitez que le moteur... Quoi? Évitez que le moteur reste au-dessus de 37.9 pendant... 10 secondes par tour. Ok. Aïe. Évitez que le moteur... 37.9, mais je suis à combien là? Je comprends pas. Je suis à 134, c'est bon là? Évitez que le moteur reste au-dessus de 137.9 pendant 10 secondes par tour. Je suis à 136, pourquoi ça marche pas? Deux tours restants. Ah, c'est au prochain tour. Attendez. 132, ça devrait être bon là, non? Je crois que ça commence que maintenant. Bah non. Je suis pas sûr de comprendre ce que je dois faire là. 137.9 pendant 10 secondes par tour. Et je suis à combien là? Aïe. C'est bon, non? Pendant 4 tours. Non, 2 tours. Reste 1,8 là. 10 secondes pendant 2 tours. Je comprends pas. S'il est au-dessus de 137, tu perds. Ok, là je suis à 134. 3, 1, 30, 32, 33, 33. 34, 31. Il n'y a pas remonté à 137 depuis la fin du secteur là, tu vois. Le timer augmente si tu le dépasses. Mais non, le timer il commence même pas. Il a pas commencé, je suis toujours à 0 là. Ça fait largement plus de 10 secondes là. Sinon tu dois pas dépasser. Pendant 2 tours. Non, il y a marqué pendant 10 secondes par tour. Pas marqué pendant 2 tours. Je sais lire. Évitez que le moteur reste au-dessus de 137.9 pendant 10 secondes par tour. Bon, écoutez, on verra. Hein. Du coup, j'ai ruiné ma... Putain, entre les deux défis, là. Entre le truc de lift and coast et ça, là. J'ai ruiné ma course pour les défis.
ne doit pas dépasser 139 pendant plus de 10 secondes par tour. Mais c'est ce que j'ai fait, non? Là, depuis tout à l'heure, hein, En fait, c'est juste que la jauge, elle bouge pas, ça reste à 0. Temps de surchauffe, 0 seconde. Ah, bah c'est bon! C'est bon, en fait. Tant que je suis à moins de 10, c'est good. J'allais dire temps de surchauffe, 0. Oui, ok. Ah ouais, non, je suis fatigué, je vous jure. Je suis très fatigué, en vrai de vrai. Mais c'est bon. Après, allez, on va cut le live, on va aller dormir. On va aller rompir. Cerveau est catastrophique. Eh, hey, je suis juste fatigué. Ouais, ça porte à giga confusion, c'est en rouge. Faudrait y mettre en vert. Et tu passes en rouge si tu rates le défi. Là, du coup, on va le réussir, en gros. Ok. Réussi. Oh, c'est giga mal expliqué. Ok, oui, d'accord. Ouais, mon dépassement était mignon là sur Gasly. C'était pas mal le dépassement sur Pierre là. Lift and coast, maintenant en essence. Oh non. Oh non, pourquoi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ce genre de truc? Pardon. Bah ouais, mais on fait comment là? On reste deux tours. Oh la merde là. Bah nickel. Bah nickel. En vrai de vrai, c'est une vibe. Jedha Drift. C'est pratique. La panne d'essence, hein, moi je reconnais. Hein. Je reconnais, hein, ça va être une panne d'essence là, les gars. Hein. More lift and coast, we can't finish the race now. Yeah, but there's no braking, so. Trying to catch Tsunoda, you know, so it's difficult. Toujours à 0,7, hein. Le chat mon essence, mais je vois les gars, je vois bien l'essence comme vous, hein. Juste j'essaie de rattraper Tsunoda, j'ai envie d'utiliser un de Tsunoda et d'avoir l'essence.
impossible. En vrai, là, ça va, on va tomber en panne sur la ligne. En vrai, all good. Je vais l'avoir. Hein. Oh, si je le double. Oh, c'est exceptionnel. Je fais de la merde. J'ai fait de la merde. Vas-y, j'ai le seum. Je l'avais facile. J'ai pas eu de griffe, hein. J'arrivais pas à tourner dans le dernier virage. Encore une victoire de Red Bull. Putain de merde. En plus, j'ai même pas eu de panne d'essence. Genre, j'ai eu un petit truc sur la ligne, mais rien du tout. Cette deuxième victoire de suite. Son premier succès n'était pas le fruit du hasard, Julien. Oh, bah oui, n'était pas le fruit du hasard, Julien. Tout à fait envisageable. Aïe, mamacita de la Rosa. Terrible. Yes. Bizarre. Ok, dans le deuxième. Ok. T'en penses quoi du jeu? En vrai, je vous ai dit, globalement, la physique A. Un week-end passionnant. Alors, c'est bien, pas de temps fort, ok. Globalement, oh putain, mais ils sont 8 à jouer à la victoire, quoi. C'est une dinguerie, attendez, il y a 3 groupes. Il y a le top 8 en 1 seconde 7. Ensuite, il y a le du P9 au P13 qui sont en 1 seconde 6. Ensuite, t'as Logan, 14e jusqu'à... Et après, t'as Logan jusqu'à nous en 7 secondes. C'est incroyable, les 3 groupes, excuse-moi, mais... Oh, le DRS train. Oh, l'enfer. Lis plus ton texte, Jacques. Non, mais résumé du jeu, je trouve que graphiquement, le jeu est beau. Je trouve que toutes les nouveautés, en vrai, sont stylées. Franchement, il y a pas mal de nouveautés, c'est cool. Ça rajoute un petit peu des intérêts et des défis. Par contre, le bruit des moteurs est atroce. Genre vraiment, vraiment atroce. Le comportement des voitures, je suis pas convaincu. Hein. Je suis honnêtement pas convaincu pour l'instant. À voir si, peut-être parce que, je sais pas, moi je vous ai dit, mon pédalier il est cassé, donc je joue avec l'ABS. Je sais pas que j'ai mal réglé le volant aussi, il faut peut-être que je fasse des modifs. À voir, mais la physique, je suis pas fan du tout. Ouais. Pas convaincu, hein. Qu'est-ce qu'il fait Birman dans le dernier virage? C'est dommage, quelle erreur avec la voix de Febro. Oh, Birman qui est parti à la faute. Ah non, quelle erreur. Putain, par contre, cette maison, je peux avoir l'adresse ou... Pas mal la petite baraque, hein. Pas mal. En vrai, c'est stylé, vous voyez, vous avez le coéquipier maintenant qui... Le coéquipier, il développe, il y a les spécialistes avec des défis pour avoir des améliorations, etc. Vous avez des histoires de contrat, vous pouvez vous faire virer, il y a des avantages, vous pouvez... Vous pouvez quitter votre équipe. Et encore, on n'a pas encore eu de... Les rendez-vous secrets, là. Il y a des rivalités, des distinctions. Franchement, c'est stylé. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi les différentes couleurs? Ah, motivation, rythme, réaction. Ok. Ouais, on a zéro expérience pour l'instant. Ok. J'essaie de voir un petit peu, je compare. Ah, en blanc, c'est celui qui a le plus. Ok, d'accord. Ok. J'y comprends rien au menu. Ah ouais? Faut voir les résultats. Faut faire des résultats pour en demander au secret. Eh, j'aurais jamais dû signifier. C'est la pire voiture. C'est trop dur. Est-ce que les autres pilotes augmentent leurs notes eux aussi? Ouais, basé sur leurs résultats, exactement. Exactement. Il y a trop de choses dans le menu, je trouve. Ouais, au début, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses. À gauche, vous avez la timeline qu'on avait déjà avant. Ça n'a pas bougé. Avec les différents objectifs et tout, les pièces, les points et tout, ça n'a pas changé. À droite, vous avez votre bonhomme avec sa note. Ça, c'est facile à comprendre. Là, vous avez des spécialistes. En gros, vous avez pour chaque département une personne qui vous donne un objectif, en gros. C'est simple, vous avez juste des personnes à remplir des objectifs. Et là, j'avoue, il y a beaucoup de trucs partout.
Là, il y a beaucoup de trucs dans le sens où tu as le contrat. Donc ça, c'est les performances de ton contrat et les objectifs si tu veux quitter ton équipe, remodifier ton contrat et tout. Là, les distinctions, c'est en fonction de vos résultats, tu vois, genre tu as des échelons. Donc faire 5 top 5 en qualif, faire 10 top 10 en F1, faire 3 podiums ou je sais pas quoi, tu vois. Mais il y a beaucoup de défis par course. Ouais, par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu too much de défis. Et là, après, tu auras tes 3 rivalités. Pour l'instant, nous, on a que notre coéquipier, on est en train de le battre. Mais après, tu peux avoir genre Hamilton et Piastri, je sais pas. Il est colère, bébé Bierman. Il est pas content.